mon habit. Reviens ici. Maman, je vais te brûler. Reviens. Maman, reviens là. Je t'assure que je vais également te brûler. Reviens là. Reviens. Enlève-moi ça. Maman, enlève. Enlève-moi cet habit. Je vais te brûler. Maman, tu as osé brûler mon habit. Enlève ça. Maman, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que tu fais? Maman, tu as osé brûler mon habit. C'est maman. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que tu vas? Reviens ici. Que quelqu'un m'aide! Et vous deux, à l'aide! Bonjour, bébé. Ah, ah, comment va ton pied? Qu'est-ce que tu faisais sur un cheval, non? Est-ce que tu es devenu un cavalier? Ah, ok, ok. Ça va aller, tu iras bien bientôt. Mais je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Je voudrais que tu signes ces documents. Kelvin! Sors d'ici! Kelvin, détends-toi! J'ai dit d'ailleurs! Détends-toi! Sors d'ici! Je voudrais que... Sors d'ici! Tu dois d'abord signer ce document. Sors d'ici, full corps! Attends, écoute! Infirmière! Je ne sortirai pas d'ici! Infirmière! Kelvin! Infirmière! Fais! Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Faites-la sortir! Faites-la sortir! Faites-la sortir! Dehors! Faites-la sortir! Je suis sa femme! Faites-la sortir! Dites-lui de partir! Et calmez-vous, Kelvin. Monsieur. Dehors! Vous devez vous en aller, allez-vous-en, désolé. Si ça se reproduit! Calmez-vous! Si ça se reproduit! Si ça se reproduit! Croyez-moi, je ne vais pas payer! Arrêtez! Ne touchez pas! S'il vous plaît, calmez-vous! Si ça se reproduit, je quitterai cet hôpital! C'est bon, croyez-moi, je vous le dis! Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous! Boss! Ne m'appelez pas, boss! Que faisiez-vous? Monsieur, comment a-t-elle pu entrer ici? Hein? Nous sommes vraiment désolés, monsieur. Hors de ma vue! Sortez! Calmez-vous, je vous en prie. Crier n'est pas bon pour votre santé. S'il vous plaît, calmez-vous. Vous devez vous calmer. Et calmez-vous, s'il vous plaît. Oh gars, loin sachet, loin sachet, loin sachet. Loin sachet. Plantain. Je veux les pommes. Oh, galois, sachet. Oui, les pommes. Les pommes. Des plantains. Lolita, viens, ils veulent les pommes. Les plantains bien frais. Lorsque vous mangez un peu de plantain et un peu de pommes de France, vous vous sentez bien. C'est manger équilibré, c'est monsieur. Monsieur, bon après-midi. Bon après-midi. 150 des pommes de France, monsieur. Combien voulez-vous? J'en veux 4. Ah, d'accord. Loin, sachet. Tenez, monsieur. Merci, monsieur. Je t'en prie, tiens. Monsieur, je n'ai pas la monnaie or. C'est juste 5 ans que j'ai ici. Attendez. Moi, là, c'est comment la monnaie? Emma? J'ai juste 1000 naira, j'ai pas de monnaie. Monsieur, vous voulez loin, sachet? Monsieur, désolé, oh, peut-être la prochaine fois vous allez acheter. Je n'ai pas de monnaie. Attendez. Je vous offre 100 naira. Achetez souvent les pommes fraîches chez moi. J'achète les pommes fraîches tous les jours. Si vous ne me voyez pas dans cette rue, vous me verrez dans l'autre rue. Ça, c'est notre secteur. Je suis la seule à vendre des pommes dans ce coin. J'achète des pommes fraîches tous les jours. Achetez juste chez moi. Prenez les 100 naira. Tu m'offres de l'argent? Oui, monsieur. Personne ne m'a jamais offert de l'argent. Alors, merci. Soyez le bienvenu, monsieur. Monsieur, je reste ici. Achetez juste les pommes chez moi. Merci, monsieur.
Salut, chérie. Tu sais, ces pommes sont délicieuses. Où est-ce que tu les as eues? Je les ai achetées, bien sûr. Bien. Dans quel supermarché les as-tu eues? Parce que j'en veux encore. C'est si délicieux. Nous pouvons demander aux gardes d'aller nous prendre quelques-unes. Pour cette question, tu devrais la poser à celle à qui je les ai achetées. Bébé, nous pouvons envoyer l'un des gardes en acheter d'autres. Elles sont très bonnes. Je veux dire, tu sais ce qu'on dit, une pomme par jour éloigne de nous les médecins. Alors, si je mange 2 ou 3 par jour, j'aurai la santé parfaite pour toute ma vie. Ce serait l'idéal. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Tu es fâchée parce que j'ai mangé les pommes que tu as achetées? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Le greffier en chef. Oh. Il m'a appelé. Me remerciant. Me remerciant. D'avoir signé le contrat immobilier où tu as imité ma signature. Pour enfin rendre possible cet accord. Écoute, je pensais que nous avions convenu que nous ne traiterions pas avec un tel homme qui est connu pour construire des maisons avec des matériaux défectueux. Mais chaque année, il se fait de plus en plus de clientèle. Oui! Ces maisons ne s'écoulent pas. Les gens y vivent encore. Pourquoi te soucier s'il utilise des matériaux défectueux, si le siège des toilettes va tomber, ou alors si le poignet de la porte va se casser? Tu as imité ma signature. Tu as imité ma signature. Pourquoi? Parce que je suis ta femme. Tu vas me dénoncer? Qu'y a-t-il de mal quand une femme ou une épouse imite la signature de son mari pour pouvoir se faire... Alors pourquoi ne m'avoir pas parlé avant? Hein? Avant de prendre tes grands airs, cette initiative, tes grandes décisions. Pour ton information, femme, je suis le PDG. Je suis la directrice dans cette entreprise. C'est grâce à moi que tu as obtenu les parts majoritaires. Parce que j'ai donné l'impression que l'entreprise était en train de couler et tout le monde s'est évadé en te donnant ses parts. Tu devrais être reconnaissant. Oui, et je ne te laisserai pas jouer avec les biens familiaux parce que ça appartient à mes enfants. Je nous fais gagner plus d'argent, tu devrais être heureux. Cette pomme est délicieuse. Pourquoi souriais-tu à cet homme aujourd'hui? Quel homme? Celui à qui tu offrais 100 naira comme si tu étais millionnaire. Pourquoi lui souriais-tu? Rien. Pourtant, lorsque je suis à côté de toi, tu serres la mine comme une chèvre affamée. Hein? Emma, je n'ai pas la mine serrée chaque fois que je suis avec toi. Et je n'agis pas comme une chèvre ou n'importe quel chèvre d'ailleurs. Tu sais ce que tu fais toujours qui me fait avoir la mine serrée. N'ai-je pas essayé? Je t'ai hébergé pendant 2 mois. Dieu va te bénir. Écoute, je prie pour toi, oh. Je prie pour toi tout le temps. Comme ça, tu vas arrêter de charbonner et faire quelque chose qui fera de toi un grand homme. Comme celui à qui j'ai donné son inara aujourd'hui. Comme... Lolita, ça c'est une insulte. Tu viens de m'insulter. Non. Désolée, je ne voulais pas lui dire ainsi. Tu dis que je ne suis pas un grand homme. Désolée. Tu agis comme si je n'étais au courant de rien. Pourtant, tu en sais beaucoup plus. Je suis désolée. Écoute, je connais ton genre. Je sais que tu es un béguin pour des grands hommes, avec de l'argent. Mais je t'ai à l'œil. Méfie-toi, tu dois vraiment te méfier parce que tout ce que je suis en train de faire là, je le fais pour qu'un jour tu deviennes ma femme. Je ne le fais pas juste pour tes beaux yeux. Pardon, mon ami, hors de ma vue. Hors de ma vue! Tu agis là comme si tu ne connaissais rien, alors que tu en sais beaucoup de choses. Je sais que tu es un béguin pour des grands hommes avec de l'argent. Mais je t'ai à l'œil. C'est mieux de surveiller tes arrières. Surveille tes arrières. Parce qu'un jour, je te pousserai dans la rigole. Tente-moi. Thank you.
Eh bien, le chemin que tu empruntes l'autre jour, j'ai acheté des pommes. Oui, monsieur. Emprunte-le, s'il te plaît. D'accord, monsieur. J'ai besoin de revoir cette fille. Quelle fille, monsieur? Celle qui m'a vendu les pommes. Ma femme les a aimées. Tu sais. Ouais. Donc, je dois en acheter encore. D'accord, monsieur. Elle m'a offert de l'argent. Eh bien, quelque chose me dit de la revoir. Tu sais. De lui demander pourquoi elle était si serviable. Pourquoi elle était si gentille, je veux dire. Ce n'est pas naturel pour une fille de nos jours, tu le sais. Plantin! Plantin! Bonjour, fille des pommes. Viens par là. Ah, c'est quoi? Mais que fais-tu? Laisse-la venir. Mon patron veut lui acheter des pommes. Jeune homme, laisse-la venir. Tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord? Viens. Ah, c'est ton monsieur dit. Ne vois-tu pas, c'est son client. Le monsieur dit, c'est son client. C'est mon client. C'est quoi le problème? Ah, bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, comment tu vas? Je vais bien, merci, monsieur. Bien, super. Alors, Combien voulez-vous, monsieur? Combien pour tout sur ton plateau? Monsieur? Oui, tout, je veux tout acheter. Ah. D'accord, tu sais quoi? Après mes calculs, tout ceci ne devrait pas coûter moins de 9000 naira. Alors pourquoi? Mais monsieur, allez-vous terminer tout ça? J'achète pour 20000 naira. Ah! Ouais. Ah, monsieur! Monsieur, que Dieu vous bénisse. Allez, merci, monsieur. C'est que bon. Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout ce que vous en comprenez. Votre famille, bon, vos enfants, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos enfants. Amen. Monsieur, merci. Et toi, reste sage. Oui, monsieur. Okay. Oui, monsieur. Pensons je de le toi. Serai. Merci beaucoup, monsieur. Très bien. Bonne journée. Merci. Ah, et où? Merci, monsieur. Ah, oh qu'est-ce qu'il y a? Allez, raconte. Mon ami, viens ici. Alors, ton travail maintenant, c'est de prendre l'argent. Oh, un sachet. Et tu ouvres ta bouche comme une chèvre. Mon ami, donne-moi cet argent. Je t'en donnerai. Donne-moi. C'est demandé de me le donner. C'est quoi ça? Emma. Emma. Donne-le-moi, mon ami. Emma, c'est quoi ça? Je te demande de me le donner. C'est quoi ça? Ah, Emma, c'est quoi ton problème? Arrête ça. Cet argent, tu ne le sentiras plus. Pourquoi fais-tu ça? Ah, ce sont mes pommes que j'ai vendues. Non, c'est quoi ça? Oublie-le. Oublie-le. Monsieur, je pense que ce gars frappe sur cette fille. Quoi? Quelle fille? C'est laquelle vous avez donné de l'argent. Arrête! Arrête la voiture! Courez après lui! Allez-y maintenant! Désolée. Oublie-le! C'est quoi ça, non? Mais c'est quoi ça? C'est quel genre d'histoire ça encore? Mais qu'est-ce que j'ai fait, Emmanuel? C'est pas mon marché que j'ai vendu! C'est quoi ça encore? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Désolée. Est-ce que ça va? Désolée. Désolée. Calme-toi. C'est quoi ça, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Désolée. Calme-toi. Maintenant que c'est Dieu bon, m'a c'est bon. Il ne veut pas calme-toi. Que j'en profite. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez ce gars. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, gars, c'est ce gars. C'est ainsi qu'il vit. Il est trop jaloux. Il la frappe tout le temps. Allez. Allez, Lolita, parle. Est-ce que c'est à moi de répondre aux questions à ta place? Lève-toi. Lève-toi, allons-y, allons-y. Désolé. Allons-y. Vas-y, au gars, vous l'amenez. Lolita, tu les suis. Elle vit avec ce gars. Je ne veux pas que ça lui cause des problèmes. Il va encore la frapper. Tu t'appelles Lolita? Ce qu'elle dit est vrai? Oui. C'est ton petit ami ou alors non. Ton mari? Non, il m'héberge juste. Vous êtes mariés? Non, il m'aide juste. Alors pourquoi t'as-t-il battu pour l'argent que je t'ai donné? Il dit que je souris aux hommes. Il me bat tout le temps. À chaque fois qu'il en a l'occasion, il me bat. Patron, voulez-vous qu'on aille chercher ce type, quel que soit l'endroit où il se cache? Non, c'est bon. Ce monsieur ne vaut pas la peine qu'on se mette à sa poursuite. Allons-y.
Allons-y. Lolita, ton plateau. Désolée. J'étais avec un de mes amis à Ikoko, où je vivais avec ma mère. Le mari de sa tante est un homme de sécurité à Lekki. Alors, quand sa tante est tombée enceinte, elle est descendue à Lekki pour aider sa tante avant. Un jour, elle est revenue à Ikoko et elle nous a dit que les gens de la haute classe dépensent beaucoup d'argent. Qu'elle vend tout ce qu'elle sort avec. Alors, j'ai prié ma mère pour savoir si je pouvais venir avec elle sur l'île. Pour pouvoir gagner plus d'argent. Parce que on ne s'en sortait pas, Ikoko. Alors, tu l'as suivie directement à Lagos. Et elle t'a hébergée. Je lui ai demandé de savoir si elle pouvait parler à sa tante pour savoir si je peux rester avec elle. Et elle l'a fait. Mais le mari de sa tante a dit que leur chambre était toute petite pour héberger une autre fille. Alors, quand nous sommes allés travailler ce jour, elle a supplié tout le monde pour savoir qui pouvait m'héberger, mais ils ont tous répondu non. Ensuite, Emmanuel a dit qu'il avait l'habitude de vivre avec son frère avant, que celui-ci n'aille en Malaisie pour une mission pastorale. Et qu'après ça, il vivait tout seul dans une grande maison. Et il a accepté de m'héberger. Ok. C'est comme ça que j'ai commencé à vivre avec lui, avant qu'il ne commence avec tous ses problèmes. Donc maintenant, tu es sans abri. Peut-être que je devrais retourner à Kokomaiko et rester avec ma mère. Et faire quoi là-bas? Une aussi gentille fille que toi mérite ce qu'il y a de mieux. D'accord. Maintenant, je te pose cette question. Veux-tu devenir quelqu'un dans la vie? Attends là. Quoi de neuf? Qui est-elle? Mais mon ami, occupe-toi de tes affaires. Quoi de neuf, mec? Quoi de neuf? J'ai juste posé une petite question et tu veux ma tête? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Allez, parle-moi, mec. Allez, souris. Salut bébé, t'es de retour? Bienvenue. Oui mon amour, je suis de retour. Comment était la journée? Eh bien, ma journée a été... D'accord. Ouais. Bien. Bébé, pourquoi as-tu l'air si anxieux? Tu n'as même pas daigné te changer. Ah oui, oui, Tu as pris ton bain? Bien sûr. Bien. J'ai fait quelque chose. Tu sais, quelque chose de... Tu sais, naturellement, quelqu'un de normal le ferait, tu sais. Mais ceci n'est pas normal et je l'ai quand même fait. Qu'as-tu fait?
Bien, en tant que ma femme, je me suis dit que je dois te le dire. J'ai ramené quelqu'un à la maison. Tu es enceinte d'une femme, c'est ça? Et tu as ramené cette femme à la maison? Non. Kevin, n'as-tu pas de conscience? Non, rien de tel, s'il te plaît. Rien de tel, d'accord? J'ai vu cette fille sans abri. Et j'ai senti qu'elle avait besoin d'un foyer, c'est pour ça que je l'ai ramenée ici. Ok, écoute. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais j'ai ressenti quelque chose en moi qui me disait aide cette fille. Et ramène-la chez toi, je pense que nous devons aider cette fille, cette fille sans abri. Attends, tu l'as ramenée à la maison? Ouais. Kevin, tu ne connais pas cette fille. Tu ne sais pas d'où elle vient, qui sont ses parents. S'il y a du sang criminel qui coule en elle, tu ne sais même pas si elle a une maladie contagieuse et tu l'amènes à la maison. Waouh! Allez, calme-toi. Où est-elle? Calme-toi. Je suis calme! Où est-elle? Elle est dehors, je lui ai demandé d'attendre avec mes assistants le temps pour moi de t'informer d'abord. Tu plaisantes ou quoi? Elle est ici? Oui. Tu appelles ça m'informer? Tu ne m'as rien dit avant. Tu ne m'en parles pas. Et maintenant, tu prétends m'informer? Non, ça c'est du n'importe quoi. Non, je t'en prie, ce n'est pas ça. Est-ce qu'elle est en bas? Allez, Anne, écoute, attends. Non, écoute, calme-toi, Anne. Anne quoi? Écoute, c'est bien d'aider les gens, tu comprends? Est-ce que tu ne pouvais pas aider un garçon? Les garçons qui sont dans la rue, qui souffrent, tu ne pouvais pas les aider, tu as choisi une salle. Allez, arrête, écoute, j'ai juste voulu l'aider, j'ai suivi mon instinct. Ton cœur est stupide. Mon cœur est stupide? Oui, Salé. C'est ce que tu dis, mon cœur est stupide? Non, comment ça, mon cœur est stupide? Ce cœur qui t'a aimé, qui m'a permis de t'épouser et abandonner toutes ces filles, tu dis qu'il est stupide? Ce n'était pas stupide, maintenant, Salé. Allez, mais qu'est-ce que tu racontes? André, saisis-toi! Qu'est-ce que tu es en train de faire? Serviable, mon œil! N'importe quoi. Hé, jeune fille! S'il te plaît, sors de chez moi. Ma quoi? Pourquoi me regardes-tu de haut en bas? J'ai dit sors, il a fait une erreur. Hé! Mets-la dehors. Si elle ne veut pas sortir, fous-la dehors. Arrête-toi là. Kevin! Viens par là. Elle restera ici. Nous ne pouvons pas la jeter dans la rue. Elle restera dans cette maison. On en reparlera plus tard. Kevin! Monsieur a ramené une nouvelle servante. Hein? Pourquoi vous ne répondez pas? Mais pourquoi tu me regardes ici? Répondez-moi, non. Mais réponds-lui. C'est bien vous qui l'avez amené. Tu es fou. Je dois remettre en question les décisions de monsieur. Écoutez, chacun de nous avait été ramené dans cette maison un jour comme celui-ci. Moi, je n'ai pas été amené. J'ai été employé. Monsieur! Pas amené. Monsieur! Parle français. Écoute, si tu vis dans cette maison et tu travailles ici, et tu n'es pas une parenté de cette maison. Tu as été ramené ici, point. Employé. Allez, dis-leur. Employé. Mec, ça dit quoi? Mon amour, dis-moi la vérité. Essayes-tu de prendre une autre femme parce que je ne t'ai pas encore donné d'enfant? Attends. Non, ça ne va pas. Non. C'est quoi cette insulte? Que je vais prendre quoi? Qui? Je vais épouser qui? Cette petite fille? Mais je dis la vérité. Quelle vérité? Je... Veux-tu prendre une autre femme? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Écoute, c'est une blague, n'est-ce pas? Non, parce que je suis ému par la nature de la bonté en moi d'être le père et le guide de cette fille. Tu te comportes de la sorte?
Je pensais qu'une bonne femme soutiendrait son mari dans un acte de gentillesse. Chérie, arrête ça. Que j'arrête? Oui, ça c'est pas un acte de générosité. Tu recherches ton intérêt, un intérêt égoïste. Hein? Oui, et je sais pourquoi tu le fais. Alors qu'est-ce que c'est? Parce que je ne peux pas te donner un enfant, c'est ça le problème. De quoi est-ce que tu parles? Mon corps n'est pas mon enfant. Je l'ai eu avec quelqu'un, avant de t'épouser. Attends, attends. As-tu dit à mon corps que je ne suis pas son père biologique? C'est évident que je ne le sais pas. Alors pourquoi tu évoques ça? Pourquoi n'apprécies-tu pas qui je suis? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton femme? Je veux dire, je suis d'humeur à aider cette fille. C'est un problème? Je t'aime. Et je t'ai toujours aimé. Bien quand je t'ai épousé. Mon corps solo avait juste un an. Et je l'ai aussi aimé depuis lors jusqu'à présent. Cela devrait te faire savoir que j'ai de l'amour à donner à toute personne. Toi et tes gens connaissez combien d'enfants je m'occupe, dont la ville où je suis prince. Combien d'entre eux j'ai payé la scolarité? Combien de parents m'occupent aussi? Alors pourquoi le cas de cette petite fille te préoccupe autant? Pourquoi je la déteste autant? Qu'est-ce qu'il y a avec cette fille pour que tu la détestes autant? Écoute, j'ai exprimé ma pensée. J'ai dit ce que je pensais. Et si tu veux aider quelqu'un, particulièrement les filles, prends celles qui sont laides. Pourquoi celles qui sont belles? Pourquoi prends-tu les belles filles? Attends, ceci sort de ta bouche? Ah. Hein? Mais je n'ai fait que dire la vérité. Tu plaisantes. Ça ne va pas chez toi, je pense que tu as perdu la tête. J'ai perdu la tête. Tu as perdu la tête. Il faut aider celles qui sont laides. Bonne nuit. Bonne nuit. Je t'aime. Je t'aime aussi. C'est toi qui vas aider tout le monde. Mais tu ne veux pas prendre les filles qui sont laides. Laides. Des filles laides. Non. Tu veux seulement prendre celles qui sont... Puis-je me concentrer, s'il te plaît? Désolée. Bien, merci. Je te dis juste, laides. Des laides, filles. Laides. Lobby chique, lobby au pipi. Hé, hey, j'ai gagné. Ok, laisse-moi te donner celui-là. Lobi shike yobi lobi pi. Ah! J'ai gagné un cœur. Encore. Ok. Lobi shike lobi yobi pi. Ah! J'ai gagné un cœur. Ah, Lolo. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi n'es-tu pas heureuse? C'est madame, n'est-ce pas? Écoute, madame n'aime personne. Ce n'est pas juste toi, elle n'aime personne du tout. Tout ce que madame aime, c'est l'argent. L'argent et les cadeaux. Et lorsque monsieur l'amène en grande vacances à travers les mers, c'est la seule chose qui la rend heureuse. Hein? Moi, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Et les autres servants, ils t'aiment. Alors ne t'inquiète pas, tout ira bien, tu as compris? Allez, rejoins. Lobio. Toi! Jésus. Tu penses que tu peux me défier, c'est ça? Dans ma propre maison. Toi, attrape-la. Hein? Attrape-la. Toi, ferme sa bouche. Vous dites. Oh. Vous dites, tes ancêtres. Prends une étoffe et ferme sa bouche. Si j'entends pis, tu vas mourir cette nuit. Arrête ses pieds. Ma? Arrête ses pieds. Non. Tu veux me défier? Tu veux me défier, c'est ça? On va voir ça. On va le voir. On va le voir dans cette maison. Écoute-moi bien. Tu vas plier tout ce que tu as et quitter cette maison, ok? Est-ce que tu m'as compris? Quand mon mari va vous demander, vous allez lui dire qu'elle a tout plié. Ça, ce sont ses affaires, n'est-ce pas? Réponds-moi! Range-les. Quand mon mari va te demander, tu dors mais tu n'as rien vu. Elle est partie sans que tu le saches, ok? Madame. Quoi? Les clés, madame. Quelles clés? Les clés du portail. Tu dormais. Écoute-moi bien. Tu dormais. Elle t'a volé les clés, a ouvert le portail. Quand tu t'es réveillé, le portail était ouvert. Tu as compris? Oui, madame. Mon mari veut prendre une autre épouse. On doit la laisser faire? Non, madame. Celle-ci, cette chose. Lève-toi, Oya. Prends tes choses. Dépêche. Vite. Sors d'ici, si j'ouvre mes yeux. Oui, j'ai compris. Dors. Sors. Dors.
Mets-toi dehors! Qu'est-ce que vous attendez encore? Sortez! Dehors! S'il vous plaît, madame. Viens ramasser ces déchets! Dépêche-toi! Dépêche-toi! Rassurez-vous qu'elle aille loin! Idiote! Elle démonte son sac. Elle veut qu'on la porte, mais elle refuse d'ouvrir ses jambes. Et elle n'a que des habits dans son sac. On va les vendre. Elle n'a même pas d'argent. Tu as volé le pain. Voleuse, tu as volé le pain. Voleuse. Voleuse. Tu as volé le pain. Pourquoi tu mens? C'est celle qui a volé le pain. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Pourquoi tu volais ce pain? Voleuse de pain. Elle a volé. Elle a volé le pain. Tu as volé le pain. Un bon 500 naira. Tu as volé le pain. Tu as volé le pain. Reste voleuse. Voleuse. Tu n'as même pas volé. Voleuse. Bonne 500 naira. Je n'ai pas volé. Cesse de mentir. Tu as volé. Prenez, donne ça. C'est suffisant. La prochaine c'est fois, bon, tu verras. Tu verras. La prochaine fois, tu verras. Ça. Je n'ai pas volé. Je t'aurais donné de l'argent. Ça suffit. C'est bon. C'est bon. Ça suffit. C'est bon.
Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ça va, allons-y. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. C'est bon, ça va aller. Ça va, je te comprends. Bonsoir à vous. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, personne de vous ne l'a vu sortir. Non, monsieur. Non, monsieur. Maureen. Monsieur. Je suis sûr que tu as son numéro. Alors appelle-la. Elle n'a pas de téléphone. Elle a dit que le téléphone qu'elle utilisait s'est gâté. Et depuis, elle n'a pas eu de l'argent pour acheter un autre. Une jeune fille. De cette maison. Au milieu de la nuit. De la chambre où elle dort avec toi. Plie ses bagages. Quitte la chambre. Ferme la porte. Et tu n'as rien entendu, Maureen. La même fille. Qui ne flotte pas. Et ne s'envole pas. Passe devant votre chambre, Emma et Joe. Et vous n'avez rien entendu. Maintenant, cette fille se dirige vers le portail où Andy est supposé être. De sa poche, elle a pris les clés du portail, a ouvert le portail. Avec succès, a fermé le portail. Le portail, sans faire de bruit, ainsi que celui qui a les clés, n'a rien entendu du tout. Désolé, monsieur. Désolé, monsieur. Désolé. Désolé, monsieur. Désolé. Désolé, monsieur. Tu n'as rien vu. Donc, tout le monde ici me dit ceci. Nous pouvons tous être ici. En train de dormir. Et quelqu'un peut venir de l'extérieur et porter chacun d'entre nous sur sa tête et partir avec succès. Et nous n'entendrions rien. C'est ce que vous dites? Chérie, écoute. Tu es très bon envers cette fille, ok? Mais elle est partie sans même pouvoir te dire merci. Laisse-la partir. Attends, tu penses vraiment que tu peux donner de l'or à un porc? Le porc va rejeter ton or et retourner dans la boue. Ah, écoute, c'est bon, elle a voulu partir, qu'elle parte, ok? Tu l'as traumatisée. Tu l'as mise hors de cette maison. Tu l'as maltraitée. Bien sûr, elle a été traumatisée. Ce qui me ramène à cette question. Qu'est-ce qui pouvait l'amener à fuir? C'est une voleuse. Qu'est-ce qu'elle t'a volé? Seule une bonne criminelle. Qu'est-ce qu'elle t'a volé? Cette maison sans que personne ne soit au courant de quoi que ce soit. Ouvrir ce portail sans même faire un bruit et même ce garde ne s'est pas réveillé. Et tu crois que c'est pas une criminelle? J'espère qu'elle n'a rien pris dans mes affaires. Non, madame. Rien ne manque. Vous avez vérifié? Oui, madame. Oui, madame. J'espère que vous êtes heureux. Oh, je suis heureuse. Chérie, je suis vraiment heureuse. Si tu étais à ma place, tu allais également être heureux. Tu as ramené une fille sous notre toit. Ma maison. Me disant qu'elle fait partir de ma famille sans aucun préavis, aucune discussion. Écoute, si tu cherches un enfant pour combler le vide, Mouka rentre à la maison pour les vacances. Laisse-la partir. Vous pouvez tous partir. Il a dit que vous pouvez disposer, non? Bébé, peux-tu manger? Elle est partie!
ne comprends pas. Calvin. Maman. Que se passe-t-il? Comment se fait-il que tu voles du pain? Maman, parle-moi. Parle-moi. Je ne suis pas partie depuis si longtemps. Comment les choses ont-ils aussi changé? Mes réflexions. J'ai réfléchi. Ce sont les réflexions qui vont me tuer. Les réflexions par rapport à quoi? Et comment des pensées peuvent même changer? Je réfléchis beaucoup. J'ai enduré plein de choses depuis que je suis née. Maman, je sais, je sais. Je sais que tellement de choses te sont arrivées. Ou du moins, ce que tu as pu me raconter. Comment mon père et les membres de sa famille nous ont chassés. Ils sont la cause de nos problèmes. Mais qu'est-il arrivé à ta boutique? Notre toute petite boutique. Qu'est-il arrivé? Il y a des gens de la commune qui sont venus un jour et ont détruit tous les magasins construits de l'autre côté de la rue des Caniveaux. Ils n'ont rien épargné. Bon après-midi, monsieur. Bonjour, monsieur. As-tu vu Lolita? Non, monsieur, mais je pensais qu'elle était chez vous. Elle s'est enfuie au milieu de la nuit. Mais pourquoi? Vous avez été aimable envers elle. Oui, mais ma femme... Lantin! Demande à ce jeune homme s'il l'a vu. Plantin! Okay, monsieur, je vais lui demander. Emma, est-ce que tu as vu Lolita? Le monsieur la demande si tu l'as vu. Hein? Elle est chez toi. Hein? Qu'il cherche qui? Monsieur! Monsieur! Où est Lolita? Où est ma copine? Où se trouve ma copine? Vous ne l'avez pas utilisée pour des crimes rituels? Alors comme ça vous faites des trafics humains? Monsieur, ramenez ma copine. Mais vas-tu la fermer? Ou alors tu es... Je ne fermerai pas ma bouche, monsieur! Calme-toi. Non! Je ne vais pas me calmer à moins que tout le monde se calme d'abord. Où est-elle? Hein? Jeune homme, je veux que tu me dises la vérité. As-tu vu Lolita? Vous-même, dites-moi la vérité. Où se trouve Lolita? Je sais tout ceci. La personne qui emprunte des raccourcis finira par prendre la route principale. Qui de nous emprunte des raccourcis? Monsieur, où se trouve Lolita? Mon ami, tu vas la fermer? Boss, voulez-vous qu'on éclate ce mec? Hey, laisse-le. Ça va. Bouche. Nous allons porter plainte à la police. Et je suis sûr que dans les 48 heures, on sera arrêté pour ça. Je ne vais plus trop parler. Tu verras bien. Regarde. J'ai filmé. Du moment où moi aussi je vais aller porter plainte à la police, on verra bien la plaque d'immatriculation et l'adresse qui y est. Vous allez mieux vous expliquer. Emma, s'il te plaît, ça va. Non. Écoutez, partir ne vous aidera pas, hein. Vous devez ramener ma copine. J'ai pris le numéro de ta plaque. Tu peux partir. Peux-tu imaginer? Je vais aller. Tu ne vas rien faire. Allez, toi aussi, calme-toi. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il en va? Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Comment ils peuvent venir la prendre hier et aujourd'hui, ils disent qu'elle a disparu. Ces gens-là que tu vois qui ont l'argent, c'est comme ça qu'ils font. Ce sont tous des ritualistes. C'est comme ça qu'ils font. En fait, cet homme est un homme bien. Calme-toi. Ah, je vais aller vérifier chez sa maman. Peut-être qu'elle y est. Bois de l'eau, tiens, bois de l'eau. Je ne boirai pas. Ma copine a disparu. Quelle copine? Celle que tu bats tout le temps. Dégage de là. Même si je la bats, ne dois-je pas m'inquiéter? On ne parle pas ainsi, Henri. Il va t'enfermer. Mais eux-là, ils peuvent nous parler comme ils veulent. N'est-ce pas? C'est ça que tu dis? Eux, ils ont le droit de nous parler. Pardon. Je dois trouver ma copine. Loin, Sachet. Qu'est-ce qu'elle a dit de ce qui s'est passé? Maman, qu'est-ce que tu as dit? Tu viens tout juste de parler. Qu'as-tu dit? Ce n'est pas à toi que je parlais. À qui parlais-tu? Je veux dire, je suis tout juste ici. Et tu as parlé. Alors, il n'y a personne d'autre dans cette chambre. À qui parlais-tu? Je me parlais à moi-même.
À propos de quoi? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que je peux te dire? Maman, tu peux tout me raconter. Je n'ai pas toujours été ainsi. Ce n'est pas comme ça que j'ai planifié ma vie. Être ici, à cet âge... J'ai tellement honte de moi. Maman, que se passe-t-il? Si tu penses qu'il y a quelque chose que je devrais savoir, tu peux tout me dire sans crainte. Tellement de choses. Moi, j'ai commis tellement d'erreurs. Tout le monde commet des erreurs. Non. J'ai commis des erreurs terribles. Mais je ne savais pas. Comment pouvais-je le savoir? Je pensais que... c'était un jeu d'enfant. Maintenant, ça me tourmente l'esprit. Tout ceci bouleverse mon esprit, me tracasse la tête. J'ai échoué en tant que mère, ma fille. Maman, s'il te plaît, arrête de dire ça. S'il te plaît. Tu as fait de ton mieux. Tu m'as donné le meilleur depuis que je suis un bébé. Même comme... même quand mon père nous a mis à la porte. Tu hey. As... Maman. Hey, Dieu. Hey. Maman, tu n'as même pas idée. Oh, hey! Hey! Ça suffit. Calme-toi. Lolita, pourquoi tu inquiètes le monde ainsi? Nola, bienvenue. Comment tu vas? Je ne vais pas bien, mais maintenant que je t'ai vue, je vais mieux. Pardon, assieds-toi d'abord ici. Et tu es venue très tôt. Bien sûr, on dit que tu as disparu, qu'est-ce que je pouvais dire? Même cet homme qui t'aide la dernière fois, il est venu te chercher. Il m'a accusé de t'avoir kidnappé et t'a vendu pour un trafic humain. Quoi? Oui. Emma s'est presque battue avec lui, c'est pour ça que j'ai dit que j'allais venir te chercher. Je sais que tu n'as pas de téléphone, que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que tu t'es enfuie? Ma chérie, je n'ai pas fui, oh.
Je n'ai pas fui. Et tu ne t'es pas enfui. Alors comment as-tu quitté la maison? Tu as disparu. Ma chérie, la femme de cet homme m'a presque tuée. Et elle a demandé à sa servante de me jeter dans la nuit. Ma puce, au milieu de la nuit. Quoi? C'est Dieu qui m'a sauvée. J'ai vu un kiosque et je me suis dit que j'allais y passer la nuit. Très tôt à 4 heures du matin, je suis entrée dans le bus dans l'idée de retourner à la maison. Où je me suis fait agresser. Ils ont juste eu pitié de ma vie. Ils ont pris l'argent qu'ils ont vu, pris les habits que le monsieur m'a acheté ce jour. Ils ont pris et m'ont jeté hors du bus. Si je n'avais pas caché un peu d'argent sur moi, je n'allais pas avoir de l'argent pour rentrer à la maison. Et le monsieur ne savait pas? Peut-être qu'il est endormi. Ah. Non. Je vais tout lui dire, au moins qu'il sache que ce n'était pas de ta faute. Regarde mon dos. C'est quoi ça? Des traces de fouet. Tu penses quoi? Que c'est plaisante? Ah non, 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 non. Tu ne retournes pas dans cette maison. Je ne peux même pas y retourner. Viens. Ma mère est malade. Des fois, je me dis que c'était même une bonne chose qu'on m'ait chassée de la maison d'eau. Oui. Sinon, comment aurais-je su que sa santé s'était dégradée ainsi? Ma puce, quand je suis arrivée à la maison, ma mère était devenue une voleuse de pain. Voleuse de pain? Lorsque je fouillais ses effets, j'ai vu de l'argent. Comme, comment peux-tu voler du pain quand tu as si d'argent pour en acheter? Et c'est comme ça que j'ai su que tout ce qui lui arrivait venait de l'intérieur. Quelquefois, elle se parle à elle-même. Je ne connais vraiment pas le fond des choses, mais je peux le ressentir. Ma mère traverse beaucoup de choses. Je vais dire à Olga. Dis-le-lui, oh. Dis-lui que je ne peux pas revenir chez lui. Remercie-le de ma part. C'est un homme très gentil, un homme très bon. Mais sa femme est... Cette femme, c'est le diable en personne. Ne lui dis pas que je l'ai dit, oh. Ne lui dis pas l'autre là-haut. Je ne vais pas le faire. Maureen! Maureen! Monsieur! Viens ici. Toi, viens. Bienvenue, monsieur. Tiens-toi là, viens par là. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à cette petite fille que j'ai ramenée? Andy, dis-le-moi. Petite fille, monsieur? Oui, la petite fille. As-tu déjà vu mon mauvais côté avant? Non, t'ai-je déjà fait un reproche un jour? Non, monsieur. As-tu déjà vu mon côté ténébreux de toute ta vie? T'ai-je déjà crié dessus? Non, maintenant, écoute. Si tu essayes de jouer au plus malin que moi, avec cette petite mémoire qu'est la tienne... Je vais te traiter comme on ne t'a jamais traité et tu ne vas rien comprendre parce que je sais une chose, que personne n'est venu escalader ce portail. Même si tu étais ivre et endormi, alors maintenant commence à parler. Je suis désolé monsieur, j'ai juste suivi les instructions de madame. Quelles instructions de madame? Parle! Elle m'a demandé de... Désolé, de la chasser hors de la maison, monsieur. Elle t'a demandé de? De la mettre dehors. De la jeter? Oui, monsieur. Hors de la maison? Oui, monsieur. Tu ne m'as pas dit cela lorsque je t'ai posé la question. Tu m'as menti comme Maureen, c'est madame, n'est-ce pas? Monsieur, vas-tu la fermer? Tu m'as menti? La raison pour laquelle je m'acharne pas sur toi, c'est parce que j'ai entendu dire que tu étais gentil envers elle. Tu lui as donné l'argent pour son transport, mais le fait est que tu m'as menti. Monsieur, je suis vraiment désolé, monsieur. Vous savez, je ne peux pas parler contre ma madame, non. Je vois. Oui, monsieur. Quoi? Que veux-tu dire? Non, dis-moi, que veux-tu dire? Non, 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 dis-moi, quoi? Tu as utilisé ta haine sur elle. Tu l'as mise à la porte. Sais-tu que c'est une insulte à mon endroit? Est-ce que tu le sais? Sais-tu que je peux te faire arrêter et te jeter en prison pour le reste de ta vie? Est-ce que tu le sais? Monsieur. Sais-tu que c'est une félonie? Le sais-tu? Hein? Je suis désolé, monsieur. Désolé, monsieur. Tu ne travailles plus ici. D'accord? Ton séjour ici est terminé. Maintenant, écoutez, ce monsieur ne travaille plus ici. M'entendez-vous?
Il va subir ma colère qu'il n'a jamais vue, d'accord? Ok? Monsieur. Le même traitement qu'il a fait subir à Lolita, il le recevra. Alors faites votre travail maintenant, jetez-le hors d'ici. Oui, monsieur. Monsieur, tout de suite. Allez, il est temps pour toi de partir. Monsieur, allez, dépêche-toi. Monsieur. Vas-y, soulève-le. Ouais. Tu m'as menti. Désolé, monsieur. Maureen, tu m'as menti. Sais-tu que je ne peux plus te faire confiance? Est-ce que tu le sais? Hein? Après que tu m'aies menti de la sorte, dégage d'ici. Dégage, j'ai dit! Bouge! Désolé, monsieur. Je t'ai posé la question et tu m'as menti! Quant à vous, tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Yeah! Hey! Oh, ma petite chérie! On ne m'a pas dit que tu es là. Quelle surprise! Quand es-tu rentrée? Je suis rentrée aujourd'hui, papa, il y a de cela, disons, 2 heures, oui, 2 heures. Il y a de cela 2 heures? Oui, t'es pas heureux de me voir, pourquoi me poses-tu toutes questions? Non, juste que quelqu'un ne m'a pas dit que tu es ici. Eh bien, parce que je voulais te faire une surprise. Tu as voulu me faire la surprise? Ouais. Juste comme tu m'as surpris avec Lolita. Tu m'as caché que ma fille est là, n'est-ce pas? Quand je viens juste de renvoyer Andy. Tu as renvoyé Andy? Oui. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Vous vous disputez encore? Bien, demande à la personne qui a fessé quelqu'un. Fessé? Maman t'a fessé quelqu'un? Oui. Et elle l'a mérité. Demande à ton père qui est cette fille de rue qui l'a ramenée dans cette maison. Papa t'a ramené une fille de la rue chez nous? Ma chérie, pouvons-nous ignorer les personnes violentes et parler de l'école? Ouais. Papa, je ne savais pas que t'avais beaucoup à me dire. Eh oui, j'en ai plein, j'en ai plein. On en parlera. Eh bien, dis-moi, as-tu un petit ami? Voyons voir, j'ai 3 petits amis. Vraiment? Olga et sa femme se querellent depuis un temps maintenant. C'est pourquoi il m'a envoyé ici pour te ramener. Olga m'aime renvoyer Andy. Et m'a mis en garde que si je ne reviens pas avec toi, ils vont aussi me renvoyer. Alors, s'il te plaît, Lolo, reviens avec moi. Je dois revenir avec toi? Et comme ça, sa femme me jettera une fois dans le feu? Ah, non. Non, merci. Madame ne va pas essayer, elle a donné sa parole. Et tu la crois? Oui. Écoute, madame a peur de la colère d'Olga. La maison est en feu depuis que tu es partie. Et elle ne veut plus que ça continue ainsi. Mais c'est quoi cette histoire de maison en feu? Et pourquoi? Pour qui? Moi? Comment? Pourquoi? Qui suis-je? Une vendeuse ambulante. S'il te plaît. Pourquoi la maison de M. Kelvin serait en feu à cause de moi? Suis-je la cause de tout ça? La maison de personne ne devrait être enfin à cause de moi, je vous en prie. Ah! Olga dit qu'il a fait un rêve te concernant. Que Dieu lui a demandé de t'aider. Oui, il a dit que sa conscience ne lui laissera pas tranquille jusqu'à ce qu'il t'ait aidé. Surtout après ce que madame te fait. S'il te plaît, Lolita, tu dois venir avec moi. Tata Moraine. Oui. Je ne peux pas revenir avec toi, oh. Je ne peux pas. Pico. Écoute, ma mère est malade. Si je pars d'ici, qui prendra soin d'elle? Je vais rester ici et continuer mon business. Monsieur Kelvin m'a donné un peu d'argent pour ouvrir une boutique. Et il a promis de me payer pour que je prenne soin de maman. Donc tu peux partir. Mais pourquoi? S'il vous plaît, ceci n'est pas un peu trop? Ma puce. Non. Ça m'a aussi étonnée. Mais s'il a de l'argent et qu'il veut aider, que veux-tu faire? Hein? Juste vas-y. Peut-être c'est ainsi qu'il veut t'aider. Il utilise des personnes pour aider les autres. Ce n'est pas ce qu'on appelle miracle. Et il t'envoie une aide de destinée. Tu vas le refuser. Essaye juste. Essayez quoi? Essaye juste. Thank you.
Passez vos bagages. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Sois la bienvenue. Je suis heureux de te voir. Nous sommes heureux de te voir. J'espère que toi aussi tu es heureuse de nous voir. Oui, monsieur. Bien. Alors, comment va ta mère? J'ai appris qu'elle est malade. Elle se bat, monsieur. Monsieur, merci beaucoup pour votre gentillesse envers nous. Noëlla m'a tout raconté. Eh bien, remercions celui qui nous autorise à aider. Parce que c'est un privilège d'aider. Madame des madames. Bon après-midi, madame. Je vois que tu es de retour. Avec tous les honneurs qui y vont avec dans une voiture privée. Sachant que toi, tu es habitué au bus, au tricycle, à la marche à pied. Bravo! J'espère que tu es ravie de ton évolution. Tata Anne, s'il vous plaît, je ne suis pas madame. S'il vous plaît, pardonnez-moi si je vous ai offensé en quoi que ce soit. Juste, prenez-moi comme vous prenez. Vos humbles servants, je vais vous servir. Je suis prête à tout faire. Allez partout où vous me demanderiez. Je le ferai. Ok, nous verrons si tu es véritablement humble comme tu le prétends. Prends tes affaires et range-les dans la chambre d'amis. Mon mari que voici dit que tu vas vivre avec nous dans la maison principale. Chérie, c'est pas ce que tu as dit. Chérie? Oui, je l'ai dit. Tu vois? Tu as changé de statut. Félicitations. S'il vous plaît, monsieur, puis-je rester dans la chambre des servantes avec Morel? Lève-toi. Lolita, tu n'es pas ici en tant que servante, mais comme quelqu'un que la famille veut aider. D'accord? Alors, avant que Maureen ne te montre ta chambre, sache ceci. En plus de ton salaire, tu recevras de l'argent de poche pour tes petits besoins et toute autre chose. Si tu as quelconque problème, dis-le-moi. Dis-le-nous. Nous sommes là pour prendre soin de toi. Ok? Merci, monsieur. Très bien. Merci. Merci, madame. Je t'en prie. Merci, monsieur. Non, ne le rappelle pas. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a? Oublie ça. Lolita! Doucement. Lolita! Doucement. Où sont exactement ces oranges, hein? Combien de temps te faut-il pour peler des oranges? Je suis désolée, j'ai presque terminé. Dépêche-toi de vite le peler. Ok. Ino quoi? Lolita! Lolita, moi! Laisse-moi t'aider à peler celle-ci. Désolée. Il est canon! Je te demande pardon. Et toi, dégage. Serais-je? J'ai dit de dégager de ma vue. N'ose plus jamais m'appeler ta sœur, je suis pas ta sœur. Bébé, elle est trop belle pour être une femme de ménage. Attends, as-tu perdu la tête? Comment oses-tu me dire que la boniche est belle? C'était juste un simple compliment. Oh! Tu veux dire que ma servante, ma boniche, est belle? As-tu perdu la tête ou quoi? Je me dis, bébé, je suis un mec sympa. Je me dis, je n'ai rien à cacher. Tu ferais mieux de ne rien me cacher pour toi d'être assis là et de complimenter ma bonne devant moi. C'est quoi tous ces bruits? Toi. Maman, c'est cette chose que papa et toi vous avez ramenée à la maison qui a séduit mon mec. Séduire?
Elle a porté quelque chose de si court qu'il ne peut même pas couvrir ses fesses. Ah, ah. Et toi, tu as été séduit. Hein? Je suis désolé, mais je dois prendre congé de vous maintenant. Ceci est vraiment très embarrassant. On se voit plus tard. Tu ferais mieux de t'en aller. Lolita! Lolita Ovo! Lo, ne m'entend-elle pas? Ok, j'ai appris que tu as certains vêtements qui conduisent à la tentation. Oya, laisse-moi les voir un à un. Tes vêtements. Tu portes du rouge? Ne sais-tu pas que c'est une couleur diabolique? Tu portes du rouge dans ma maison. Tu veux que je sois en danger, danger. Mets ça de côté. Allez! Du leggings? Tu portes des leggings? Tu veux faire ressortir tes formes pour que tous les hommes de cette maison soient confus? Pour que les gens commencent à te regarder et te convoiter, c'est ce que tu veux? C'est ce que tu veux? Non, ma. Ou alors tu veux qu'on te viole? Tu veux que j'ai les problèmes, c'est ça? Non. Mets ça de côté. Mets ça de côté! Cet habit, ça n'a pas l'air d'une serpillère? Ça, c'est une serpillère! Ça, c'est une serpillère! C'est une serpillère! Elle ne peut servir qu'à nettoyer le sol! Hein? Vas-y, donne-moi un autre! Non, non. Où sont les autres habits? Les dos nus. Je savais que tu avais une mission dans cette maison. Tu portes les dos nus? Non. Des dos nus dans ma maison? Hein? Je n'ai pas... Tu tunes ou quoi? Si je te claque. Mets ça de côté. Oya. Montre. Montre-moi. Tu sais quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça. Ça va en brosse. Non. C'est une serpillère. Tu sais quoi? Ramasse-moi. Ramasse-moi tout ça. Allons-y. Je ne veux pas qu'on te convoite dans cette maison. Tu ne voudrais pas être violée, n'est-ce pas? Porte, porte, porte. Tu veux qu'on te viole? Est-ce que tu voudrais être violée? Porte, porte, suis-moi. Oui. Oya, oya. Ramasse, ramasse, ramasse tout ça. Tu peux laisser ta valise. Même ce que tu portes là. Ramasse tout ça. Tous ces vêtements rouges. Ouais, tout ceci. Oui, tout ceci. Attends! Donc tu portes ces choses? Tu voles mon argent pour... Tu l'as acheté avec mon argent. C'est ta mère qui t'achète les dos nus? Ta mère est la source de tes problèmes. Après, quand tu vas rentrer, une maudite! Oya, ramasse-moi tout ça. Ramasse ça et essuie-moi. Nous allons brûler toutes ces choses, ok? Tu veux que les hommes te convoitent ou alors tu veux être violée? Tu veux qu'on te viole? Exactement! Hein? Dis que Dieu m'épargne! Je ne serai pas violée au nom de Jésus. Que Dieu m'en épargne. Hey, prends ça. Vas-y, prends. Verse ça. Merci, tu peux partir. On n'a plus besoin de ton aide. Allez, verse. Qu'est-ce qu'il y a? Verse! Hey, gentille fille. Donne-moi, laisse-moi t'aider avec ça. Vas-y, mets le feu. Qu'est-ce que tu pleures, non? Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère m'a acheté ses vêtements. Mais elle n'est pas morte. Elle est juste malade, n'est-ce pas? Elle va t'en acheter d'autres. Vas-y. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Hein? Tu pleures. Je sais que tu es triste. Ça ira. Ok, pleure bien. Vas-y. C'est très bien. Ouais. Pleure. Même cette robe. Tu iras chercher le pagne et puis tu viendras la brûler. Tu veux qu'on te viole chez moi? Je n'aime pas ça. Tu veux qu'on te viole? Ha! Désolée. Désolée, pleure. Pleure très bien. Pleure. Tous tes péchés te seront pardonnés. Quand tu auras fini, quand tout ceci aura fini de brûler, tu portes tout et puis tu pars jeter. Je ne veux pas que mon mari vienne trouver ça là, ok? Désolée, courage. Bonne fille. Laisse que ça brûle bien, puis tu ramasses et puis tu iras jeter. Aïe, Seigneur, mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter tout ça? Oh non, oh mon Dieu, hey.
Raconte-moi une autre. Pourquoi le monsieur n'est pas passé par la fenêtre? Pourquoi? Il a vu un papillon. Hey! Que signifient toutes ces bêtises que tu fais? Alors vas-tu lâcher cette tenue? Tu veux essayer de nous montrer tes formes, quoi? Laisse-moi te prévenir, n'essaye plus jamais ces conneries ici, d'accord? Quand t'es à côté de moi, reste naturel, est-ce que c'est clair? Ok. Désolée. Madame, utilise ton sixième sens. Verse l'eau dans le verre, Google. Qui doit le faire pour toi? Elle a l'air d'un parachute. On dirait un parachute volant. Ça, c'est un talent que tu es en train de gâcher. Tu gâches un talent, on pourrait se faire de l'argent avec. C'est moi que je suis drôle. Dans une carrière de comédie comique, tu vois le genre? Tu veux bien t'amuser? Oui, vas-y. Lolita! Elle arrive. Verse de l'eau. J'ai dit de verser de l'eau dans le verre. tu sais quoi? Marche de ce côté, t'es sourde. Marche plus vite. Tu m'as tué. Allez, reviens. Reviens. Lolita. Une dernière fois. Une fois. Ok. Plus. Lolita! Oui, madame. Viens me servir, madame. Je t'ai dit de venir me servir. Es-tu sourde? Et dépêche-toi, est-ce que t'es normale? Arrête. Arrête, tu me fais trop rire. Parachute volant. Lorsque ça marche vite. Tu es très génial. Laisse-moi la révéler. Okay. Lolita. Film. Lolita. Je vois ça. Hey, j'aimerais te commissionner. Mon petit ami veut fumer quelque chose. Alors j'aimerais que tu ailles l'acheter. Que dois-je faire? J'ai dit qu'il avait besoin de fumer quelque chose. Je ne connais pas ça. Tais-toi, broussarde. Espèce de bon à rien. Donne-lui de l'argent. Marche droit dans la rue. Tu verras un coursier. Donne-lui de l'argent et dis que tu as besoin du bonheur. Ce qu'il te donnera... Apporte-le-moi, s'il te plaît. Tiens, lève-toi de là et va acheter, dépêche-toi. Dépêche-toi, on te parle, tu marches comme une vieille femme. Oh, elle marche doucement. C'est-à-dire qu'elle n'a plus un parachute volant. Allez, reviens. Viens marcher, s'il te plaît. Elle est partie comme ça. Elle était assise là. Ne t'assois surtout pas là. Oh, quelle horreur! Quelle odeur! Ça sent vraiment mauvais! Oh, ma chérie! Est-ce que tu vas bien? Oui, monsieur. Es-tu heureuse? Quelqu'un te crée-t-il des ennuis? Parce que j'ai laissé des instructions que tu devrais être traité avec tout le respect possible. L'acceptation et l'amour. Dans cette maison. Bébé. Oui. Écoute, cette fille a sa mère souffrante. Je pense qu'elle ne peut pas être heureuse à tout moment. Pas vrai? Oui, madame.
Relax. Ta mère est entre de bonnes mains. Et Mila me le dit tout le temps. Je vais t'acheter ton téléphone. Ouais, pour que tu puisses communiquer avec Mila vu que ta mère n'a pas de téléphone. Merci, monsieur. Alors maintenant, essuie tes larmes, ok? Oui, monsieur. Tout ira merci, bien. Merci, monsieur. Ça va aller. Merci. C'est bon. Oui. Mon amour, tu es vraiment un homme bien. Est-ce mal d'être gentil? Hein? Non, bien sûr que non. Lolita? Lolita Ovo! Oui, madame. Qu'est-ce que tu fais? Je me lavais les mains. Quelle est cette comédie que tu faisais la nuit dernière? Essayes-tu de causer des ennuis entre mon mari et moi? Non, 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 madame. Alors pourquoi est-ce que je pleurais quand on mangeait? Oh, tu voudrais qu'il ait pitié de toi et de ton inutile de mère. Ou tu veux qu'il croie qu'on ne te traite pas bien? Non, c'est Moko. Elle passe son temps à me dire des trucs horribles. Elle me fait constamment pleurer. Et puis quoi encore? Est-ce que tu ne le mérites pas? Tu crois que Moko sera heureuse de partager l'affection de son père avec toi? Je sais exactement ce qu'il faut faire avec des gens comme toi, des sorciers comme toi. Je sais ce que je vais faire avec toi. Suis-moi. Maintenant. Alors, va dans les toilettes. Vérifie ce qu'il y a dans les toilettes et tu me dis ce que tu vois. D'accord, madame. Les toilettes. Ok. Madame, quelqu'un utilisait les toilettes. Il n'a pas chassé. Vous voulez que je tire la chasse? Non. Je les ai utilisées. Et je n'ai pas chassé. Je veux l'utiliser pour te punir pour ce que tu as fait hier. Oui. Tu iras là-bas. Tu ne chasseras pas. Tu fermes la porte après toi. Tu y resteras là-bas pour 4 heures de temps. Tu vas inhaler toute l'odeur de cette chiotte. C'est ton repas d'aujourd'hui. Ah. Madame. Quoi? S'il vous plaît. Je ne vais pas te battre. Je ne vais même pas me déranger. Mon mari a demandé que je sois gentille avec toi. Que je ne te fasse pas de mal. Mais je ne te ferai pas de mal. Non, je ne le ferai pas. Depuis que tu es entrée dans cette maison, tu es la source des peines de ma famille et moi. Alors, va à l'intérieur. Madame. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que je ne t'ai rien fait? Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Et si tu essayes d'ouvrir cette fenêtre, je vais t'enfermer dans un endroit où mon mari ne te verra plus. Ta mère va devenir sans enfant. S'il vous plaît, je suis désolée. Vas-y, profite-en. Tu crois que je vais te faire du mal ou stresser pour toi? C'est trop de stress, ça ne vaut pas la peine. Mais tu vois, dans cette maison, tu vas souffrir. Je vais te montrer le feu. Allez, dépêche-toi. Ne fais pas que je me lève. Si je me lève d'ici, crois-moi, tu vas me détester. Assieds-toi. Va plus près. J'ai dit, va plus près. Recule. Respire. Aspire. Aspire. Expire. J'ai dit, inspire. Expire. Ouvre ta bouche. Ouvre. J'ai dit ouvre la bouche.
ouvre. C'est bien. Si tu vomis, tu vas manger ce vomi. Je vais te faire manger ton vomi. Comment est-ce que ça sent? Comme du Chanel? Dior? Régale-toi. C'est ça, profites-en. Hein? C'est quoi ça? Ouvre ta bouche! Lolita, la plus belle, bonjour. Tu veux me traverser ainsi sans me dire quelque chose? Tu sais depuis combien de temps je t'attends? Je sais que tu fais des courses dans cette rue tout le temps, depuis je t'attendais. Écoute, le plan est simple. Toi et moi allons aller quelque part pour s'amuser. Qu'en penses-tu? Et crois-moi, je peux être ton petit ami secret. Oublie tout ce que je fais avec Moku lorsque je suis avec elle. Lorsque je me joins à elle, je ne peux rien faire à part t'insulter. Impossible donc de te courtiser devant elle. Mais crois-moi, dans mon cœur, c'est toi. Mon cœur est pour toi. Crois-moi, fais-moi confiance. Je suis sérieux. S'il te plaît, s'il te plaît. Peux-tu me laisser m'en aller? Sœur Moku m'a commissionné et elle a besoin de ça urgemment. Qu'est-ce qu'on t'a demandé d'acheter? C'est quoi ça? Les serviettes. Elle veut que je lui achète des serviettes. Et elle les veut urgemment. Mon ami, relax, qu'elle utilise des serpillères ou alors des couches. Elle ne va pas mourir parce qu'elle n'a pas utilisé des serviettes hygiéniques. Personne n'est jamais mort pour ça. Écoute, tu vas juste entrer dans ma voiture là et puis... Bam, bam. Que Dieu m'en préserve. Que Dieu m'en garde. Moi, allez où avec toi? Sais jamais. Parce que je vais te rendre service. Crois-moi, tu vas payer pour cette insulte, bébé. Tu vas le payer. Tu n'as même pas idée. Hein, moi? Ok. Alors, comme je disais, ta ménagère, Lolita, je l'ai vue entrer dans une pharmacie pour faire un test de grossesse. Ouais, exactement, j'étais choqué de la sorte. Et quand elle m'a vu, elle a quitté précipitamment la pharmacie. Mais crois-moi, j'ai couru vers elle et je l'ai confrontée. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'elle allait te faire une course, t'acheter des serviettes hygiéniques. J'étais comme, ok, je vois. Mais comment tu te retrouves avec un test de grossesse? T'a-t-elle demandé ça? Elle a dit, non, monsieur. Je veux dire, je l'ai envoyé m'acheter des serviettes hygiéniques il y a à peu près une heure. Alors tu vois, c'est comme si je faisais toute une histoire. Non, tu n'en fais pas toute une histoire. Tu sais quoi? J'ai comme que cette fille a couché avec tous les gardiens qui environnent le long de cette rue. Parce que en me rapprochant très bien, je l'ai vu sourire avec presque tous les gardiens. Je dis bien tous les gardiens de cette rue. Alors j'ai abordé certains pour connaître le type de relation qu'ils abordaient avec elle. Et j'ai demandé à d'autres. Peux-tu imaginer? 10 parmi eux ont dit la même chose. Ah, sucrée Lolita, belle femme. Toi et moi, nous connaissons que lorsqu'un homme commence à appeler une femme sucrée... Tu sais quoi? Ma mère doit être au courant de ça. Je veux dire, je l'appelle tout de suite. Tu ne devrais pas. Et si elle tombe enceinte, chez nous, qui assumera toute la responsabilité? Ma famille? Que Dieu m'en préserve. Mais tu le sais bien. Tu connais bien ton père. Il ne la mettra pas dehors. Nous avons besoin de preuves. Sans preuves, nous ne pouvons pas l'affronter. Mais nous devons trouver des preuves parce que je ne peux plus lutter pour avoir l'attention de mon père avec cette chose. Je la veux hors de la maison. Ok, tu sais quoi? Ne lui dis rien. Cherchons des preuves ou alors trouvons des gardes dans la rue pour pouvoir fabriquer des preuves. Mais comment allons-nous trouver des preuves, maman? Tu sais très bien que papa aurait besoin de ça. L'argent! L'argent fait tout! C'est facile comme ABC! L'argent fait ceci facilement! Ça va marcher, crois-moi.
Je te rappelle, maman. Non, 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 non. Dépose ça dans ma chambre, ne viens pas ici. T'as vu ça? Comment elle t'a regardé et elle a foncé. Je croyais être le seul à le voir. C'est sa conscience qui la juge. Ce n'est que le début. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas, hein? Viens là. Viens. Viens là. Bonjour, boss. Du courage, monsieur. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Monsieur, ne vous vexez pas pour vous avoir dérangé. Ne vous vexez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voyez cette fille qui vit chez vous? Cette fille, celle qui vit chez vous actuellement. Cette fille, c'est ma copine. Lolita, c'est ma copine, monsieur. Alors, je veux que... c'est ma copine, c'est ma copine. C'est ma copine, monsieur. Alors, écoutez, ce qui se passe, c'est que... elle côtoie tous ces gars qui sont tout autour. Tous ces gars qui sont partout, aux alentours, dans toute cette zone. Elle les côtoie tous. Alors, lorsque nous vous avons vu passer, mes gars et moi, nous nous sommes dit, ok, nous allons vous bloquer là, Emma, que nous allons vous bloquer pour que vous nous dites qui va épouser cette Lolita aujourd'hui, cette fille qui vit chez vous. Hé, mon gars, viens, viens par ici, viens, viens par ici, pour qu'ils nous disent qui va épouser Lolita. Place-toi par ici, ne déborde pas, attends, attends. Reste ici. Tout le monde dans ce quartier sait que cette fille est à moi, demandez à tout le monde. Tu es malade ou quoi? Si tu dis encore de telles choses, je vais te montrer. Je vais t'effacer, hein. C'est quoi ça? Tu es fou? Tu veux dire quoi? Il a perdu la raison. Je vais t'effacer. C'est moi qui vais épouser cette fille, monsieur. Tu es fou? Mais, monsieur. Lolita! Lolita! Oui, monsieur. Bienvenue, monsieur. Je veux que tu me dises, en toute honnêteté, que fais-tu avec les garçons de la rue? Monsieur, je n'ai rien eu à faire avec les garçons de la rue, monsieur. Monsieur, je jure, je n'ai rien fait avec les gars de la rue. Aucun homme même, d'ailleurs. Je n'ai rien fait. Croyez-moi. Aïe! Bienvenue, papa. Ma chérie, comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'a-t-elle fait cette fois? Oh. Elle n'a rien fait.
tu vas retourner à l'école. Je vais t'acheter tout le nécessaire dont tu auras besoin pour tes études. Une enfant si brillante ne doit pas rester sans études supérieures. Merci, monsieur. Merci beaucoup. T'es le meilleur, papa. Merci. Ouais. Merci, monsieur. Merci infiniment. Merci. Alors, ces garçons ont essayé de me duper en utilisant ton nom, me racontant des choses et que sais-je. Mais je l'ai pressenti. Je ne me suis pas laissé piéger. Tu dois te méfier. Je me suis fait comprendre. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Eh bien, vu que tu vas aller à l'université tout comme moi, alors que veux-tu faire de ta vie? Je veux être une avocate. Hein? Avocate? Comme l'avocate m'a mandé. Tu n'es pas trop vieille pour aller à l'école. Quel âge as-tu? N'as-tu pas 28 ans? Non, non, madame. J'ai 24 ans. C'est l'âge pour avoir la licence et non pour entrer à l'université. Mon coco voici est au niveau 3 et elle aura bientôt sa licence. Les vieilles personnes ne partent pas à l'école. Peut-être que tu devrais vendre du piment ou alors faire de la couture, hein? Tout le monde ne devrait faire les choses au même moment. Des choses différentes arrivent à des personnes différentes à différents moments. Lolita, va dans ta chambre. Merci, monsieur. Merci, madame. Mais bébé, pourquoi est-ce que tu fais toujours croire que nous sommes contre elle? Je lui dis seulement la vérité. Tu sais, la couture n'est pas un mauvais métier. Elle est obligée d'aller à l'école. Tu n'es pas contre elle? Non. À part Ama, Joe et Maureen. Qui d'autre l'aime ici? Nous l'aimons. Papa, qu'en est-il de moi? Oui. Est-ce que tu l'aimes? Allez, pose ça sur ta tête. Si ça tombe, vas-y. Tu auras des ennuis. Ne bouge pas. Tiens ça bien. Madame l'avocate, la future fille de l'université, dis-nous, qui était la première femme avocate au Nigeria? Réponds. Tu ne veux pas me répondre? Dora. Dora Queen. Hein? Avocate des avocates, tu te vois? Tu n'as pas de cervelle, tu es bête! Et tu veux gaspiller l'argent de mon mari? Non, hein? Madame. Il serait mieux d'entraîner un chien que de te mettre à l'école. Moko, réponds à la question. Stella Thomas est la première femme avocate au Nigeria, 1935. Efolake Solake, née le 1932, première avocate principale au Nigeria. Tu vois, représente valablement sa mère. Hein? Et tu dis que tu veux être une avocate. Ok, réponds à celle-ci. Il y a deux chambres dans le Parlement anglais. Cite-les. Cite-les? Ah, cite-les! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moko. Le Parlement anglais est fait de deux chambres. La Chambre des Lords et la Chambre des Communes. Et ce que j'appelle la législation bicamérale. Parce que ces deux chambres participent à l'élaboration des lois. Exactement. Tu veux toujours être avocate? Tu penses que tu as tout ce qu'il faut pour être une avocate? Tu penses que tu mérites d'être avocate? Qu'est-ce que tu veux devenir? Quoi? Une mécanicienne? Mécanicienne. Idiote. Idiote. Si ça tombe, tu auras des ennuis. Si ça tombe. Écoute, c'est pas très difficile, oh. D'accord? Quand mon mari reviendra du travail, tu lui diras que tu veux rentrer dans ton village. Tu ne veux plus aller à l'école. D'accord. Toutes tes souffrances s'arrêteront. Oui, tu peux faire ça? Bien. Une fois qu'il sera là. Tu ne mérites pas d'aller à l'école. Ce n'est pas ta destinée d'aller à l'école. Rentre dans ton village. Oui, idiote. Vas-y, souris. Si ça tombe. Souris! Tu veux devenir une avocate?
Ok, réponds à cette question. Quelle est la racine carrée de 2 millions? Bon. Qu'est-ce que tu racontes? Désolée. Désolée, madame. Mais so. C'est so qui peuvent nourrir toute ta génération. Idiote. Je suis désolée. Lolita, ça va, ça va, cesse de pleurer. Tata, ça ne va pas, ça ne va pas, je meurs, oh. Dieu nous préserve. Arrête de dire cela. Je suis en train de mourir à petit feu. Tu ne vas pas mourir. Hein? Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Tu verras. Tout ira mieux. Tu verras. Elles veulent que tu t'aides, mais tu ne dois pas céder. Elles veulent que tu te mettes en colère et que tu dises à Olga que tu veux partir. Elles veulent que tu quittes cette maison, mais tu ne dois pas partir. Oui, tu ne dois pas. Tu dois être forte si tu dois atteindre le bout du chemin. Ensuite, tu porteras la couronne de gloire. Oui. Quoi d'autre peuvent-elles faire? Quoi d'autre? Elles t'ont déjà fait le pire. Tata, ils n'ont pas fait le pire. Ils n'ont pas fait le pire. Ils veulent me tuer. Dieu nous en préserve. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais dans leur maison? Qu'est-ce que je fais dans une maison qui n'est pas la mienne? Lolita. Dieu. Tu es ici pour devenir une avocate. Une grande dame. Ça, c'est ce que tu fais ici. Et aussi longtemps que Olga te soutient, aussi longtemps qu'il touche son cœur pour t'aider, il t'aidera. Ne t'inquiète pas. Je les ai trop entendus se moquer de toi en t'appelant professeur en droit. Ne t'inquiète pas. Ça, c'est ce que tu deviendras. Tu verras. Ce nom qu'elles utilisent pour se moquer de toi. Dieu fera que ça devienne réel. Dis Amen, Lolita. Dis Amen. 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 Dis-le avec fermeté. Dis Amen. Lolita, parle-nous. Amen. Amen. Dis-le avec force. Amen. Ne t'inquiète pas, ma petite chérie. Tu ne dois pas céder. Parce que ça, c'est leur plan. Elles veulent que tu cèdes. Mais tu ne devrais pas. Tu dois être forte. D'accord? Ça, c'est une plante à pot. Et c'est une plante d'ornement. Ça doit être à l'intérieur et non à l'extérieur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu comprends? Et une plante à pot est comme un toutou. Alors c'est mon toutou. Est-ce que tu me suis? Alors, comme j'y vais à l'école en cette soirée, tu prendras soin de cette plante. Tu vas l'arroser matin et soir. Je veux dire chaque jour. Est-ce que c'est clair? Oui. Sinon, elle mourra. Et si elle meurt, tu me payeras, Lolita. Quelle que soit la somme que je demanderai. Ouais. Quant à toi, Maureen, tu seras ici pour découvrir ses faiblesses. Enfin qu'à l'avenir, elle n'ait pas l'opportunité de nier. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Alors va épuiser de l'eau pour l'arroser. Dépêche! Waouh! Tu me dis là que tu veux kidnapper le Pacifique juste pour cette petite plante à peau? Tu es vraiment dingue! C'est quoi ton plan, la noyer? Hé! Hey, qu'est-ce que tu fais? Est-ce de cette manière que tu comprends soin de ma plante? Je t'ai demandé de me prendre un peu d'eau et toi, tu me ramènes tout l'océan. Veux-tu affaiblir ma plante? Non, j'ai apporté de l'eau pour que tu puisses prendre la quantité dont tu veux. Hé, la ferme! Pourquoi tu parles trop de français? Oh, juste un gobelet d'eau et tu t'en vas mettre tous les problèmes de ta famille dans ce seau. Oh. Tu veux prendre ton bain, pas vrai? Tu sais quoi? Bref. Ouais, d'accord. Allonge-toi sur le sol. Pardon? Si tu ouvres ta bouche une seconde fois, couche-toi. Oh. Dépêche-toi! Allonge-toi sur le sol tout de suite. Ah. Oh, vraiment? Un gang, bébé, j'ai déjà vu ça avant.
Vous êtes vraiment dans le pétrin. Lorsque tu vois les servantes commencer à comploter, crois-moi, c'est une rébellion imminente, je veux dire un complot. Tu vois? Ne t'inquiète pas, je suis préparée à ça. Tu veux la rejoindre, n'est-ce pas? Maureen, tu veux t'allonger avec elle? Je suis prête pour vous deux, ne vous inquiétez pas. Nagez! Je dis nagez! Nagez tout de suite! Papillon, papillon! Nagez tout de suite! Allez, allez, allez! Nagez! Retournez-vous, papillon! Nagez! Allez, nagez! Fermez-la tout de suite! Hein? Mais nagez! Vous vouliez prendre votre bain ensemble? Nagez! Mon ami, il faut nager! Nagez, je dis de nager! Nagez! 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 Elle voulait rejoindre. Nage, nage! Toi, nage! Nage tout de suite! Nage! Voilà, nagez de ce côté! De ce côté! Maintenant de l'autre côté! Nagez de l'autre côté! Nagez de l'autre côté! Allez, faites-le bien! Elle s'allonge à la sirène! J'ai dit de nager! Mon ami, qu'est-ce que tu fais? Nage! Pourquoi s'arrêter? Allez! Nage! Allez, nagez! Maureen! Allez, nage! Maureen! Tu ne sais pas nager ou quoi? Nage! Elle pense que tu joues avec tu elle! Utilise-le pour nager! Utilise-le pour nager, mon ami! Dépêche-toi! Nage! Lolita Ovo? Oui, Tata. Lo. Ah! Tu es sourde? Non, désolée, madame. N'as-tu pas entendu quand je t'ai appelé Lolita Ovo? Hein? C'est quoi ton nom? Lolita. Lolita Vo. Lolita qui? Lolita. Mo. Tiens. Repasse-moi ça. Je vais aller à l'église. Ne brûle surtout pas mon habit, hein? Oui, madame. Et dépêche-toi. Lolita Mo. Lolita Mo. Lolita Mo. Comme si c'était mon nom. Lolita? Ma? Est-ce que tu as fini? Ah! Ah! Tu as brûlé mon vêtement? Je suis désolée. Tu as brûlé mon vêtement? Viens là. Viens là. Viens là. Viens ici. Reviens. Reviens là. Je dis reviens là. Tu as brûlé mes vêtements? Tu as osé brûler mon habit? Tu as osé brûler mon habit? Viens là. Viens là. Je vais te brûler. Tu veux me faire brûler? Tu sais qui je suis? Je vais te brûler. Je vais te brûler. Allez ça. Tu sais qui je suis? Enlève-moi ça! Enlève ça! Enlève-moi ce vêtement! Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Arrête! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Toi! Où est Lolita? Elle est partie. Elle a pris ses effets et elle est partie. Je pense qu'elle est rentrée chez sa mère. Ça fait tellement longtemps que je voulais qu'elle parte. Elle est partie parce qu'elle a causé des dommages dans ma maison. Demain matin, tu m'amèneras où habite sa mère. Monsieur, bonjour. Ama, bonjour. Comment va votre jambe ce matin? Eh bien, ça ne fait pas trop mal comme hier. Et le docteur a dit qu'il va encore vérifier ça aujourd'hui. Mais si je n'ai aucune fracture, comme je le suspecte, je ne serai plus ici à plus de 4 jours. Ok, nous remercions Dieu, monsieur. Remercions Dieu. Maureen est ici pour vous voir, monsieur. Maureen? J'espère que ma femme ne l'a pas envoyée ici. Fais-la entrer. D'accord, monsieur. C'est pourquoi j'ai pris mon sac et je me suis enfuie ce matin. Pour venir tout vous dire. Monsieur. Je vous ai menti avant, et vous n'avez pas été content.
Et vous êtes un homme bien. Et vous avez été toujours gentil avec moi depuis que je travaille ici. Alors, je ne peux plus vous trahir. Oh, non mais non, Madame Chololita, pour aller lui faire du mal. Je ne peux pas. Je sais que vous la preniez pour votre propre fille, mais vous ne serez pas content. Mais je sais également que Ceci va me faire perdre mon job. Parce qu'il n'y aura aucune chance pour que Madame m'accepte après ceci. Tu as bien fait. Tu prendras soin de toi. Jusqu'à ce que je sorte de cet hôpital. Pour savoir quoi faire. D'accord. Pour le moment, tu vas retourner dans ta famille. Tu es une bonne cuisinière. Ne te préoccupe pas de comment trouver un autre job. Je t'aiderai à ouvrir ton propre restaurant. Ah. Monsieur. Je ne veux pas être une charge, monsieur. Je peux trouver un autre job, où que ce soit. Je n'ai pas fait ça pour une quelconque récompense, pas du tout. Écoute, c'est bon. Tu m'as été loyal. Rentre juste dans ta famille, ok? Ama va t'accompagner. Ama? Monsieur? Donne-lui 115 000 naira, d'accord? Ah. Oui. Je te dirai quoi faire après. Merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie. Tu la conduiras chez Lolita. Rassure-toi qu'elle aille bien. Et quand tu y seras, remets-lui 100 000 naira pour les petits besoins. Ok, monsieur. Ok? Oui, monsieur. Merci, monsieur. Ce qu'elle a dit, reste ici. Merci beaucoup, monsieur. Je t'en prie. Que Dieu vous bénisse. C'est bon. S'il vous plaît, rétablissez-vous vite, monsieur. T'inquiète. Merci, bonjour monsieur. À ta famille. Prends soin de toi, d'accord? Nous ne voulons pas d'argent de cet homme. Nous ne voulons pas de son éducation. Ah, écoutez, ma fille est une belle fille. Elle rencontrera un homme très bientôt. Elle épousera un bon mari. Et son mari l'enverra à l'école. Dites à votre patron que c'est ce que la mère de Lolita a dit. Écoutez, je sais les souffrances que j'ai endurées. Je ne veux pas d'une vie compliquée pour ma fille, je vous en supplie. Je ne veux pas. Tata Maureen, s'il te plaît, dis juste à Olga que je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée pour tout. Et je lui souhaite de vite se rétablir. Mais tu as écouté ma mère et je suis de son côté. Je ne retournerai plus dans cette maison. Tu me vois maintenant, tu vas juste... Lolita, Lolita, ils sont là pour toi, ils sont là pour toi. Qui sont là pour elle? Monsieur Calvin et ses gardes, ils sont là pour toi. Ah, ah. N'est-ce pas? Oui. Ah, Lolita, tu es sûre que... Oui, maman, ne t'inquiète pas. Ah, ah. Maureen! Hey! Je vais bien. Bonsoir, monsieur. Lolita. Oui, monsieur. Je suis heureux de voir que tu te portes bien. Ouais. Hey. Bon après-midi. Qui êtes-vous?
Non. Est-ce possible? Kenny. Kenny. Ennoyé. Maman, que se passe-t-il? Tu connais mon patron. Tu connais Monsieur Kelvin. Ennoyé. Ah. Mais. Attends. C'est ta mère? J'ai entendu dire que tu étais morte. J'ai entendu dire que tu t'es mariée et que ta femme et toi viviez au Canada. Que se passe-t-il? Monsieur, maman, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Tu le connais. Monsieur, vous connaissez ma mère? Voici. Voici ton père. Hein? Maman! 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 Maman, lève-toi! De l'eau, de l'eau! Maman! 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 Maman, lève-toi, s'il te plaît! De l'eau! Maman! 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 S'il te plaît, lève-toi! Maman, lève-toi! Maman, lève-toi! Non, lève-toi! Qui est Owe? Qui est Kenny? Tu as dit que qui est mon père? S'il te plaît, lève-toi! Non, s'il te plaît! Oh Dieu! Apportez de l'eau! Maman, s'il te plaît! Je pensais que tu étais morte. Tu es devenue folle avant de mourir. Tu as eu un enfant dans la rue. Et tu es morte lors de l'accouchement. Qui t'a dit ça? Ngozi. Bien sûr que j'ai demandé à mon père, mais il n'a rien voulu me dire. Bien sûr, à cause de ce que tu m'as fait. Je n'ai pas eu d'autre choix que de parler à Ngozi. Elle t'a menti. C'est qui Ngozi? Ah, Dieu. Une femme méchante. Une femme méchante du village. Ah. Nous devons la voir. Elle a beaucoup à expliquer. Beaucoup à dire. L'odeur de mon sang en toi t'a conduit à moi. L'odeur de notre sang m'a fait avoir cette conviction de t'accepter comme un protecteur, comme un père. Lolita, tu es ma fille. Mon sang. C'est trop à supporter. Ceci. Va auprès de ton père. Il semble confus. Va le reconforter. Ma fille. Ma fille. Pensez. Pensez combien tu as souffert. Pensez à tout ce que tu as traversé. Combien tu as souffert. Ta demeure. Ta maison. Ta maison maintenant. Je suis là. Ta maison. Patron, nous sommes déjà au village. Voulez-vous qu'on aille directement au palais ou alors on arrive chez Ngozi? Allons tout d'abord chez Ngozi. Si nous allons au palais,
la rumeur se propagera que le prince héritier est dans les environs. Et Singozi au courant que le prince héritier est connecté avec son monde, elle va envoyer le danger. Donc, nous allons d'abord chez elle. D'accord, monsieur. Compris. Prends à gauche. Et puis à droite. Pourquoi essayes-tu de t'enfuir? Tu vois ta vie? Tu vois où s'achève ta vie maintenant? Tu nous diras exactement tout ce que tu connais. Tu dois confesser ou affronter ce que tu ne pourras pas comprendre. Quand tu es là chez elle, Gozi, toi et moi étions de meilleurs amis quand toi et moi étions jeunes. Tu m'as dit certaines choses qui m'ont fait faire des choses qui ont changé ma vie aujourd'hui. J'ai souffert, Gozi. Oh, comme j'ai souffert. Tu n'as pas idée. Des fois, on dit que je suis folle, que j'ai des troubles mentaux. D'autres fois, j'ai été admise à l'hôpital pendant des mois, avec aucune réelle maladie dans mes examens. Et je suis devenue pauvre. Si pauvre au point de manquer de quoi manger. Des fois, j'ai fait des choses J'ai fait des choses honteuses. Et les gens de Lagos s'unissaient et me battaient. Gozi, je suis venue connaître la vérité. Parce que quand Ken est rentré de ses études à l'étranger, il est venu vers toi pour demander de mes nouvelles. Parce que personne ne pouvait lui dire où je me trouvais en ce moment-là. Tu lui as dit que j'étais morte. Ça veut dire que tu as beaucoup à cacher, Ngozi. Ça veut dire que tout ce que tu m'as dit était des mensonges. C'est pourquoi Dieu t'a puni ainsi. Et m'a aussi puni de t'avoir cru. D'avoir rompu mon pacte. Un pacte très important. Je vais demander quelqu'un que je connais. Où est ta femme, Anne? Anne est ta femme? Quelle Anne? Anne de... De Oumoulélé. Anne de la communauté d'Oumoulélé? Et il faut arrêter. Toutes les deux, écoutez, que se passe-t-il? Qu'est-ce que Anne a à voir avec ceci? Anne n'est pas d'ici, elle est d'Oumoulélé, alors qu'est-ce qu'elle a à y voir? Elle a tout à y voir avec tout ceci. Peux-tu l'emmener? Anne ne viendra pas ici, non? Mais s'il te plaît, parle, ok? Je veux t'entendre. S'il faille qu'elle vienne ici, évidemment que je... Évidemment, je ferai quelque chose. Tu sais, je ferai le nécessaire pour qu'elle vienne, mais... Parle. Gozi, s'il te plaît, parle-nous, s'il te plaît. Tout est arrivé un jour. Anne est venue vers moi. Elle était en colère et elle pleurait. Elle n'était pas du tout heureuse. Et c'est quoi ça? Oh Guinée, pourquoi pleures-tu?
Dis-moi, c'est quoi le problème, non? Parle-moi, s'il te plaît. Tu es venue de ton village jusqu'ici, maintenant tu es là à pleurer. Dis-moi ce qui ne va pas pour que je puisse t'aider. C'est mon père. Que lui est-il arrivé? Je n'ai pas aimé la façon dont on l'a traité l'autre jour. Ah, qui l'a traité ainsi? Le Igwe de ton village. Ah, Igwe? Avec ses gardes. Ils l'ont cravaté. Ils lui ont même donné une gifle. Une gifle? Il fallait même voir comment on l'a traité comme un animal. Igwe, s'il te plaît, aie pitié. Tu sais que l'économie va mal. Tu sais, je n'ai que 30 000 dans cette maison. Hein, s'il te plaît. Depuis hier, nous n'avons pas mangé. Hein, s'il te plaît. Avoir pitié? Moi, avoir pitié? Hein? L'argent que tu empruntais chez moi, tu ne me l'as pas remboursé. J'ai envoyé mes gardes. Tu ne leur as pas donné, alors j'ai décidé de venir moi-même et tu me racontes des histoires. Juste, une dernière chance. Plus de chance. Hein? Ebuka, Adam, saisissez. Hé, hey, toi! Avance! Igwe, s'il te plaît! Igwe! Tu marchais! Ok, d'accord! D'accord. Igwe! Ah. Igwe, s'il te plaît! Ceci sera la dernière fois. 2 semaines. D'accord. C'est ce que je peux faire pour toi. D'accord, merci. Oh. Aïe! Papa, désolé! Désolé! Chai, ma pauvreté. Aïe, ma pauvreté. Papa, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu as fait, Igwe? Il m'a prêté de l'argent. C'est l'argent que j'ai utilisé pour payer tes frais d'examen. Depuis 2 mois, je suis incapable de payer. C'est pour ça qu'il te traite ainsi? C'est pour ça. Mauvaise économie. Ne t'inquiète pas, nous allons lui payer. Nous trouverons un moyen. Nous allons lui payer son argent. Ça. Papa, t'inquiète pas, nous allons trouver un moyen pour payer cette dette. Ne t'inquiète pas, papa. Ah, mauvaise économie. Ce qu'il lui a fait était vraiment mal. Désolée. Tu te souviens, l'autre jour quand tu passais dans notre village, ce jour où certaines filles jalouses ont voulu te battre. J'ai été là pour toi. Et aujourd'hui, je veux que tu sois là pour moi. Ma chérie, t'aider comment? Je n'ai pas d'argent. Si tu me fouilles même 1 franc, tu ne verras. Non. Je veux me marier avec le fils. Kelvin. Mais tu sais que Kelvin est déjà fiancé à mon amie Cynthia, ma meilleure amie, ne le sais-tu pas? Je sais, c'est pour ça que je viens vers toi, pour que tu m'aides, s'il te plaît. Tu dois m'aider. Tu dois m'aider à gérer tout ceci. Et tu sais, tu as aussi expérimenté les souffrances de la pauvreté. Depuis la mort de ton père, tu es celle-là qui a toujours pris soin de ta mère aveugle. Tu dois vraiment m'aider, s'il te plaît. Je promets te donner 100 000 naira. Si tu n'es qu'aimé, 100 000 naira? Tu voles déjà? Non. Mais où veux-tu avoir 100 000 naira? T'en fais pas, je vais voyager pour aller chez ma tante à Abba. En 2 semaines, je serai de retour avec l'argent, je te le promets. Je te donnerai cet argent, juste 2 semaines, je te donnerai cet argent, s'il te plaît. 100 000 naira. Je t'en prie, oui, s'il te plaît. Ce que tu me demandes de faire là, tu sais que j'aime mon ami. Tu sais que j'aime mon ami, hein? S'il te plaît, tu es la seule personne qui peut m'aider, s'il te plaît. Gossi, dis juste oui, s'il te plaît, dis oui. Je t'en prie. D'accord. Merci. Ne me remercie pas, merci. Ne me remercie pas, j'ai trahi mon ami. Merci mon ami, merci. Si j'accepte, merci. C'est pour de l'argent, ce que merci. Tu me demandes de faire. D'accord, donc... Écoute, tu n'agis pas normalement, tu agis comme si quelque chose... J'ai dit que je vais bien, tout va bien, sérieux, crois-moi, je vais bien. Allons-y. Écoute, tu sais que tu es ma meilleure amie. Si quelque chose ne va pas, dis-le-moi. Ce n'est rien, je vais bien, tout va bien. Alors, laisse-moi voir, non? Je vais bien. Hey! Chérie. Oui? Ne me fais pas ça. Parle-moi. Si j'ai un problème, je vais te le dire, tu le sais. D'accord. Je vais bien. Laisse-moi te briefer quelque chose. Quelque chose est arrivé.
Il y a ce mec, hein. Il me plaît tellement. Je vais bien, parle. Le temps passe. C'est comme ça que ma conscience a commencé à me juger chaque fois que je voyais mon amie Cynthia. À cause de ce que je planifiais faire. Et 2 semaines plus tard, Anne est rentrée d'Aba. Et m'a donné les 100 000 naira qu'elle m'avait promis. Elle a même donné de l'argent à son père pour rembourser Igwe. Vu qu'elle avait rencontré ce gentilhomme qui a promis de l'épouser. Tu sais, un homme blanc qui l'a comblé de cadeaux. Le monsieur a finalement quitté Acha. Quelques années après le voyage de Kelvin, elle était enceinte du monsieur. Et il s'est tiré. C'est l'histoire d'un autre jour. Alors, Igwe et le père d'Anne sont redevenus amis. Nous avons aussi planifié d'inviter Kelvin dans cette maison. Pour que je le séduise et après crier qu'il a essayé de me violer. Ha! Gozi! Pour de l'argent, Gozi! Alors maintenant, tu connais la vérité. Tu connais la vérité. Après toute ma proclamation d'innocence, as-tu entendu la vérité? Tu m'as couvert de honte. J'ai été couvert de honte dans le village. Mes parents n'avaient d'autre choix que de m'envoyer à l'étranger. Pour éviter que je ne me tue. Félicitations. Mon Dieu ne te pardonnera pas, Ngozi. Dieu ne te pardonnera pas, Ngozi. Arrête! Dieu ne te pardonnera arrête, pas, Ngozi. Arrête! Dieu je ne dis, te pardonnera arrête. Pas. Je veux tout entendre. Alors comporte-toi. Ressaisis-toi. Continue. Après avoir fait ce que j'ai fait, tout le monde a cru en moi. Parce que j'étais la meilleure amie de Cynthia. Nous étions plus que des amis, nous étions comme des sœurs. Les parents de Cynthia étaient tous morts. Elle a pris ma mère comme la sienne. Elle a cuisiné tous ses repas, absolument tous les repas dans notre maison. Même quand le prince lui donnait de l'argent, elle le partageait toujours avec moi. Personne ne pouvait se douter que je mentais contre son homme. Tout le monde a cru à mes allégations. Et aussi pour ce que Kelvin m'a fait. Cynthia était vraiment très blessée et déçue. Pourquoi Kenny m'a-t-il fait ça? Pourquoi je lui ai donné mon cœur? C'est bon, ça va aller. Ça va aller. J'ai le cœur brisé, Ngozi. Même moi, j'ai le cœur si brisé. Hein? Je ne sais pas pourquoi il a fait, mais que pouvons-nous faire? Ce qui est arrivé est arrivé. Je ne sais pas. Tu ne vas quand même pas mourir. Ça va aller. Hein? Essuie tes larmes. Écoute, nous ne connaissons pas les plans de Dieu. Nous ne savons pas ce qu'il a prévu pour nous. Je jure, il n'aura jamais la paix. Je suis d'accord. Hein? Tu mérites mieux. S'il te plaît. Je te jure. Tant que je vivrai, on ne sera plus ensemble à cause de cette honte et ce déshonneur dont tu m'as couverte. C'est terminé entre nous. C'est fini. Onwe. Ma chérie adorée, nous avons juré au nom de l'amour d'être ensemble pour toujours. Le pacte est brisé. Même les ancêtres peuvent le voir. Les dieux peuvent le voir. Le pacte ne nous lie plus.
C'est terminé. Mais je suis innocent. Non. Je suis innocent. Non. De quelle manière veux-tu que je te le dise? Tu choisis de les croire, et pas moi. Je suis ton amour. Tu décides de croire aux étrangers. Non, tu devrais me croire. Gozi n'est pas une étrangère. Elle est comme une sœur pour moi. Elle ne peut pas me mentir. Que gagnerait-elle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis confus. Tu sais quoi? Oublie-moi. Oublie-moi. Après cela, Anna cherchait Prince à Calvin? Se rapprocher de moi. Prince Calvin! Prince Calvin, attendez! C'est quoi le problème? J'ai entendu ce qui s'est passé. Et je pense que vous êtes innocent. Je crois à votre version de l'histoire. Alors si vous avez besoin de quelqu'un à qui parler, je suis là. Elle est devenue ma conseillère et ma meilleure amie. C'est tout ce que je suis venue vous dire. Je vais devoir m'en aller. Elle était la seule qui croyait en moi. Dans mes peines, elle a su conquérir mon cœur. Attends! Et quand je suis parti pour Londres, elle a promis m'attendre, quel que soit le temps que cela prendra. J'ai étudié à Londres. J'ai travaillé à Londres. Je lui ai envoyé de l'argent. Oui. Je lui ai envoyé de l'argent pour payer ses études. Elle est rentrée à l'université. Je l'ai fait venir à Londres. Kenny et moi avions fait un pacte de sang. Nous avions appelé les esprits et les ancêtres d'être nos témoins. Mais lorsque j'ai su qu'il avait souillé notre amour, en violant mon ami. J'ai aussi cru que notre pacte a été rompu. Alors, lorsque sa famille l'a envoyé à l'étranger pour étudier et rester loin de la honte du village, je me suis aussi mariée à un homme d'affaires riche qui a demandé ma main. Il m'a amenée à Lagos pour vivre avec lui. Je n'ai même pas su que j'étais enceinte de Calvin. Enceinte de ma fille Lolita. Et alors, cet homme a commencé à tomber malade. Son business a commencé à tomber et il a commencé à perdre de l'argent. Alors, il est allé chercher ce qui se passait. Et on lui a dit que j'étais la cause de sa malchance. Que j'étais la femme d'un autre. Et la sorcière. Et il est rentré à la maison et m'a demandé pourquoi Lolita est née seulement 7 mois après qu'il m'ait rencontrée. Il est devenu curieux. Et il a obtenu le test ADN. C'est ainsi qu'il a su que Lolita n'était pas sa fille. Oh Dieu. Et il m'a mis à la porte. Oh mon Dieu. Mais le peu d'argent que j'ai épargné, j'ai essayé toutes sortes de business. Mais tous ont échoué. Et je suis retournée au village. Et j'ai demandé après Calvin, à Gozi. Gozi m'a dit qu'il était toujours à Londres. Et peut-être en prison. Plus tard, j'ai entendu qu'il s'est marié, vivant à Abuja. D'autres ont dit Canada. D'autres disaient Lagos. D'autres disaient Londres. J'ai cessé de te chercher. Et j'ai commencé à perdre la mémoire. Des fois, je fais des choses. Des fois,
Je me perds. Lolita et moi avions commencé à errer dans la rue. Dans la rue. Dans les pires quartiers de la ville. Cinq ans plus tard, je suis revenu. Anne était toute confuse. Me disant qu'elle avait fait une erreur. Vu qu'elle était dans la solitude, elle a couché avec un homme blanc. Et elle est tombée enceinte. Elle a eu une fille. Elle a laissé l'enfant à Abba avec une tante à elle. Elle et moi sommes allés à Abba pour voir l'enfant. J'ai vu l'enfant et je lui ai donné le nom de Muko Solo. Muko Solo. J'ai pardonné son erreur. Et je l'ai épousé. Moi. Et Muko Solo. Et Anne. Sommes rentrés à Lagos. Muko Solo jusqu'à aujourd'hui ne sait pas que je ne suis pas son père biologique. Mon feu père paie à son âme. Je lui ai menti. Je lui ai dit que ma femme était enceinte. Et 9 mois plus tard, elle a donné naissance. Je me suis rassuré que mon père ne voit pas Muko Solo jusqu'à ses 5 ans. Il pensait qu'elle avait 4 ans. Mon père n'a jamais su ceci. Il n'a jamais su jusqu'à ce qu'il rejoigne ses ancêtres. Quoi? Oui. Vous savez, je crois juste que ceci est le temps de Dieu. Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Je suis tellement désolée. J'ai utilisé cet argent pour soigner la vue de ma mère. Mais ça n'a pas marché. Parce que ma mère est toujours aveugle. Et moi, je souffre toujours ici. Je suis toujours dans ce village. Personne n'est venu m'épouser. Pas de futur, pas de projet. Mais je crois juste que les ancêtres me pardonneront. Qu'ils auront pitié de moi maintenant que j'ai confessé. Je crois juste qu'ils auront pitié de moi. Tu n'as pas confessé, oh. Tu as été confronté. C'est pourquoi tu as parlé et tu as révélé tous ces secrets. Tu es si méchante. Ce pacte de sang a été très puissant. C'est pourquoi j'ai été punie ainsi. Peut-être que c'est ça qui a ramené ma fille chez son père. Ah. Cette vie est profonde. Profonde comme l'océan. Nous ne pouvons jamais la comprendre. J'ai une confession. Avant que je ne voyage, je suis allé dans la forêt. Tout nu. Et j'ai juré. Jetant des sorts sur toute personne. Sur toute personne qui a été impliquée dans mon humiliation. J'ai prié Dieu. Et je lui ai demandé de les punir. De les punir. Que personne d'eux ne connaisse la paix. Kelvin, Kenneth, je t'en prie, pardonne-moi, je t'en prie. Onoué, mon ami, s'il te plaît, je t'en supplie, pardonne-moi. Tu m'as volé ma vie, Ngozi.
J'en ai plein la tête. Retournons au palais. Demain, nous affronterons Anne. Kenneth! Et toi? Tu viens en Lagos avec moi. Tout ce que tu as dit, tu le répéteras en face d'Anne. C'est d'accord. Si c'est à Lagos, je suis prête. J'irai avec toi. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Ancêtre de nos terres, je pense que vous étiez présent quand Kenny et moi avions fait le pacte de nous aimer et d'être ensemble pour toujours. Vous aviez été témoin lorsque j'ai fait couler le sang de mon doigt et je le lui ai fait lécher, et lui de même. Je me devais de le garder, mais je l'ai brisé. Lorsque je me suis mariée à un autre. Quand je me suis mariée à un autre, le ciel et la terre m'ont puni sévèrement pour ça. Et depuis lors, je n'ai plus de paix, plus de demeure. Je suis une sans-abri. Mais j'ai réalisé mon erreur. J'aurais dû écouter l'homme que j'aime. Surtout que je n'avais pas de preuves solides de ce dont mon ami Ngozi l'accusait. Je vous en prie, pardonnez-moi. Si ça vous arrange, ramenez Kenny vers moi. Nous avons ensemble une fille. Mais si cela ne vous plaît pas, si mes péchés sont trop pour être pardonnés, alors j'accepte ma punition. Et je reste seule pour toujours. Je te promets qu'aucun homme ne me touchera. Je serai heureuse en sachant juste que ma fille, Lolita, a trouvé son père. Eke, Ori, Afo, Ngwo. Oui, Mokonsolo. Je veux que tu prennes le prochain vol du Ghana pour le Nigeria. Je vais bien. Ta mère va bien. Nous avons réunion familiale. Non, ce n'est pas à cause de mon accident, non. Ce n'est pas à cause du cheval, non. Et parce que nous allons bien, nous avons beaucoup à nous dire. Aujourd'hui, on se voit à la maison ce soir. On viendra te chercher à l'aéroport. C'est tout ce qui s'est passé. Je n'ai rien ajouté ou enlevé de l'histoire. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui est la vérité et rien que la vérité. Anne le sait bien. Anne, as-tu écouté ça? As-tu compris ce que Ngozi a dit? Nie-le. Nie que tu m'as piégé.
entrer dans ma famille était un plan. Ni que tu m'as épousé à cause de la revanche que tu avais pour mon père. À cause de ton égoïsme. Nie-le. Écoute, je ne nie rien du tout, ok? Tout ce qu'elle a dit fait partir du passé. Je suis maintenant ton épouse et ça ne peut rien changer. Que veux-tu que je fasse? Retourner dans le passé? Voici celle qui a ramené le passé. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Et celle-là aussi, elle a ramené sa bâtarde. Allons-nous tenir dans cette maison? Cette chose qu'elle appelle ta fille, qu'est-ce qui te prouve que c'est vraiment ta fille? Il n'y a rien qui puisse te le prouver. C'est pas l'Armande, elle ne se convient pas ici. Alors non, je ne vais rien nier du tout. Ne ressens-tu aucune culpabilité? Ne ressens-tu pas un quelconque remords de ce que tu as fait? Réponds-moi. Aucun? Pour tout ce que tu as fait à ma fille Lolita, celle qui est une princesse au trône, celle qui est héritière de tout ce que je possède. De quoi est-ce que tu es en train de parler? Qu'en est-il de Moko? Hein? Est-elle l'assistante de ton trône ou quoi? Papa, qu'en est-il de moi? Qu'en est-il d'elle? S'il te plaît, ce n'est pas ton père. Qui est-ce qui parle? Il ne l'est pas. Demande à ta mère qui est ton père. Ça, c'est ma maison. Tu parles encore? Tu n'es pas d'ici. Lolita, ne sois pas comme elle. Sais-tu ce par quoi elle m'a fait passer? Qu'est-ce qu'elle t'a fait endurer? Ici, c'est le chez-moi. Si tu dis encore un mot. Hé, hey, regarde-moi ça. Regarde comment elle s'agite. Lolita. Oui, papa. Hein? Viens par là. Il fallait l'essayer. Assieds-toi. Hey, mon amour. Ma princesse. Que veux-tu que je fasse de ces personnes? Des personnes qui nous ont fait du mal. Je parle d'Anne. Mokosolo. Ngozi. Et bien sûr, ta mère. Je t'ai supplié. Je t'ai supplié pour tout. Je t'ai supplié au nom de Dieu. J'ai supplié. Au nom de notre amour, je t'ai supplié. Mais tu m'as laissé couvert de honte. Tu as permis que cette fille souffre. Tu as laissé notre fille souffrir. Je t'ai supplié. Lolita, serai à l'abri de tout, dans le confort de la maison de son père. Mais tu as dit non. Papa, vas-tu juste m'oublier comme ça? Toi, ton cœur est si perfide comme celui de ta mère. Mais je te pose cette question. Comment espères-tu que je te traite après avoir su ce que ta mère et toi aviez fait à ma fille Lolita pendant qu'elle était ici en tant que servante? Réponds-moi. Mais tout ceci, c'est de ta faute. Je te blâme. Je te blâme. Papa. Papa. Papa, la seule revanche que je veux, c'est le pardon. S'il te plaît, pardonne à ma mère. Et reprends-la. Papa, elle était jeune. Elle était naïve. S'il te plaît,
Tu m'as fait du mal. Je sais. Je sais. Lève-toi. Viens. Je suis désolée. Papa, permets-moi d'aller prendre soin des autres, comme tu le souhaites. T'en fais pas, tout reviendra dans l'ordre. Nous n'irons nulle part. Ah, c'est bon, il est contrarié, mais ça va lui passer. On va parler, on va causer quand il sera calme. On en parlera. Si tu... Mokoso. Calmez-vous. Mon père a demandé que tu prennes tes affaires et que tu t'en ailles. Va au village, ou partout où tu le souhaites, aussi longtemps que ce n'est pas sous son toit. Tu vas y rester jusqu'à ce qu'il décide de ton sort. Pour ta gouverne, il demandera le divorce très bientôt. Et en ce qui te concerne, Moko, je te conseille de demander à ta mère de t'amener chez ton véritable père. Il est de ton droit. Tu as le droit de savoir qui est ton vrai père. Mon père n'est plus intéressé de t'adopter comme sa fille. Ama, je suis la princesse et je t'ordonne de les faire sortir. Qu'elles aillent plier bagages et qu'elles quittent cet endroit. Autre chose, si je vous revois encore ici ou que vous essayez de créer n'importe quelle histoire, on s'occupera de vous comme il se doit. Il est temps de partir. S'il vous plaît, il est temps de partir. Ne la touchez même pas! Toi! D'accord. Kelvin! D'accord, on verra. Sœur Maureen. Oui. Je n'ai pas de sœur aînée. Et je veux que tu sois ma sœur aînée. J'ai besoin de quelqu'un qui me guidera. Sur une bonne voie. En particulier maintenant que je suis une princesse. J'ai besoin de certains cours. Tu sais, j'ai besoin d'apprendre les bonnes manières. Ma mère ne peut pas le faire d'elle-même. C'est toi. Attends, tu fais toutes choses parfaites. Merci. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Acceptes-tu d'être ma sœur? Merci. Merci beaucoup. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées,
ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.